Et tout de suite. Allez, tout le monde debout. Stand-up. Putain, j'en chier, merde. On approche de la zone de largage. N'oublie pas d'ouvrir la porte. Donc c'est là où on appuie sur Static Line Drop. Préparez-vous. Qu'est-ce que c'est, ce con? Ça va chauffer. Je peux y aller, chef. La DCA nous tire dessus. Ah, c'est parti à la porte. Trop dangereux, non, moi je suis en troisième position. Ah. Je sais pas, je vois un mec à la porte qui parle depuis tout à l'heure. Max, tu me dis quand moi je saute le premier, hein, yes. Mimus, hein. Ça, elles les ont vu. Faut sauter tôt, hein. Sinon, ah, on va go, 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 saute. 1, go, 2, go, 3, go, 4, go, 5, go, go, go. Tu m'entends, Servette? Ça va, les gars? Servette? La voie libre? Ok, merci, j'y vais. Allo, Servette? Bonjour. Salut. Diverti. Hello, les gars. Diverti. Où est-ce qu'elle est la fusée? Ça va, pas trop de bobo? Ça va. Les attelles une fois qu'on est atterri. J'ai lancé une fleur dessus. Yes. C'est où le national pour les fleurs? Il y a des armes là-bas là. Il y a des missions. Ah, c'est par là, ok. Rien.
Qui a envoyé la flare? Moi. Tu l'as envoyé? Ouais, j'en ai envoyé. Tu veux que j'envoie? Pas de pistolet. Non. Je vois rien dans les caisses. Oh merde, je peux rien, putain. Ok, content de vous voir parmi nous et en vie. Y'a tout le monde là? Y'a tout mon groupe? Yes. Oui, par la paix. Mugus! Je crois qu'il est dans le hangar. Mugus! Ah, attends, peut-être que j'ai pas la même version. Mugus! Il est là, chef! Il est là, chef, sergent! Je suis là! Mag! Mag, il nomme. Oui? Ah, il est là. Il est ici. Pierre. Présent. Oaks. Présent. Est-ce qu'on prend une radio, chef? Présent. Gunfus. Présent. Mathilde, j'allais dire Marty. Mathilde, Marty. Présent. S'il te plaît, le coca. Marty. Mathilde, es-tu là? Présente. Mathilde, c'est un croisement bizarre. Ok, bon, il y a une radio. Oui, il y a Quentin. Quentin, qu'est-ce que tu fais là? Partie de notre groupe. Quentin, t'as vu, t'es tout rompé là. T'as vu un fantôme, Quentin? Ça va? Je comprends une radio, chef. Ouais, mais il est où son groupe? Le saut ne s'est pas bien passé pour lui. Il est sous le choc, chef. Trop stressant le saut. Quentin, on est d'accord. Mon groupe là, ceux qui ont pas fait le ravito, allez faire un ravitaillement, il y a tout ce qu'il faut. Là. C'est fait devant. 50, chef? On en avait des bouchons d'oreilles en fait. Martine, je t'avais dit que c'était pas ta soirée ce soir. Vous avez des radios ou non? Des quoi? Des flares pistoles? Non, prenez-en pas, j'en prends un moi. On a pas de radio, on est d'accord? J'en ai pris un au cas où. La radio, non, pas une radio. Mais c'est en une pour l'autre. Par contre, on est d'accord qu'il n'y a aucun ravitaillement médical. Oui, Mathilde. Mathilde. Ah. On a perdu Franck. Franck, on s'est volé. Ah putain. Il n'a pas gagné. Il a perdu un homme en plus. Du coup, on est tous à Evanger. Oh, on les met tant. Ils sont partis où les autres là? Je vais mettre à 50. Ok, on va faire un trinôme là. Trinôme, Gamfuse, Oaks et Pierre. Vous allez voir sur la route à 50 mètres au niveau de la deuxième branche. Bon, 5, 5. Attends, Pierre, je vais les éliminer vite fait. On va dire à l'ennemi où on est. Malin, ça. Je pense que c'est déjà bon. Ouais. Il freeze. Wow. Moi aussi là. 50, Franck, bonsoir. Tu me reçois. India 1 pour India 2. Pour India 2. India 2 pour India 2 pour India 1. Non, restez là.
Mathilde, faut qu'elle revienne là. Elle est partie avec la baïonnette, chef. Ça va là, moi je suis en train de faire mes courses hein. Ah bah c'est qui alors qui est parti avec le trilogue? Personne. Ils sont partis tout seuls. Je pensais qu'il y en avait un en plus. Je suis médisant, désolé. C'est quoi qu'on doit prendre en bas? India 2 pour India 1, on est sur Grange en feu, en comme, feu prévu, comme prévu. On est prêt à faire mouvement sur le carrefour de la Morinière. Donc on attend les ordres. 1 à 2 attelles. Ça va, qu'est-ce que tu fais là? Et si t'as de la place, t'es pas avec ton groupe? T'es dans notre groupe, Charval. Ouais, hey, bah alors, chef. Non, mais Charles, chef Marty, toi, je te cause pas déjà. Fais mon pote Marty là. India 2, India 1, est-ce que vous avez recollé tous vos hommes ou alors ils sont avec moi? Allez, salut. Oula. 3 attelles, 5 garrots. Non, une ou 2 attelles, 3, c'est pas la peine. Ok, 2 attelles. 5 garrots. Voilà. En 4 garrots. 4 garrots, ok. Ah, fusée. 3, 4, fusée, ici. Lancé. Ok, j'en ai pris 3. C'est qui ça? Et je prends une morphine et une définie. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui la morphine? Autorisation, je peux les utiliser. Les épinéphrines et les morphines, on évite de les utiliser. Parce que je cherche Franck et du coup, je pensais que c'était lui. Surtout la morphine, ouais, c'est pour relever un copain. Il est seul perdu là. India 2, il y a qui d'India 2 ici là? Altor, Serval et. India 1, pardon, India 1. Quentin. Altor, Serval et Quentin. Il a perdu que lui. Ok, India, sous les ordres du Mungus. En second, vous allez partir sécuriser, même si c'est déjà fait, mais aller sécuriser et faire une position de défense au niveau de la grange sur la route. Vous vous mettez à droite et à gauche de route et vous vous préparez à progresser. Je vous recolle, j'essaye de trouver Franck. Et j'organise Gamefuse, Pierre, et le troisième c'est le truc en, Marty, en je crois, en avant. Attendez, il y a Mathilde qui est encore en équipement là. Ça va, on est plus en avant. Parti, Gamefuse. Oh, il y a qui Mathilde. Ils sont partis. Super. Donc tu les recolles, ils sont là-bas, là, derrière la grange. Là-bas, là, derrière la grange. Là-bas, là. Il y a ça. J'ai pris le petit photo. Ouais, pareil. Ça va aussi de partir sans le médecin, bande de chiens? Comme ça, t'arrives et t'as direct des gens à soigner, c'est bien. On y va. T'es juste un petit brassin. T'as vu, regarde mon petit casque aussi. Vas-y. Que moi seul, petit casque. Comme ça les ennemis, ils savent vraiment sur qui tirer quoi. Marty, autour de la grange. Oui. Mathilde, tu te mets près de la grange avec une porte ouverte près à rentrer dans la grange. Autour de la grange. On voit rien là-dedans, je savais pas s'il y a quelqu'un là-dedans. Y'a quelqu'un? Bah en l'air, vous éternez. L'allemand, je peux balancer une flèche si vous voulez à l'intérieur. Quelqu'un a vu Michel? Toi, hein. India 2 pour India 1, à titre informatif, j'ai trois hommes à vous qui sont avec moi. Il y a Altor. Attendez. Première classe Altor. Première classe Michel. Première classe Pietro. Première classe Kenny. Et seconde classe Serval. Je sais qu'il y a personne dedans. Je savais pas qu'ils avaient inventé des lampes UV. Merde, on peut pas passer par là. Mungus, t'as encore ta cagoule. Ah merde. C'était des. C'était des noms de code. Allez, vous tournez la grange, dos à la grange.
Ok Mungus, on arrive. J'arrive en binôme avec Magnum. On s'en grille une, Vox, en attendant. De quoi? Tu veux une cigarette en attendant? Oh oui, si t'en as une, je suis chaud. Tiens, je te file. Quelqu'un a Fergen? Il m'a menti. Tonnerre! Il m'a menti, ou si tu n'as pas de cigarette? Merde, j'ai dû les perdre pendant le saut. Désolé. Il m'a menti. Je t'en donnerai une en retour. Puis on envolera sur le cadavre des Allemands. Ouais. Ok, recollez pour Mungus. On passe sur 51 pour radio. En escouade. Allez, ok, c'est parti. Parti, non, toute la grange, à gauche. Traverse la route, 51 pour notre groupe. Mais on a pas de radio, moi j'ai pas de radio, hein. Moi non plus. Moi non plus. Gus en a une. C'est parce qu'il parle dans le chat vocal. Eh oh, tu te calmes, hein, le gros là. Chat vocal. Et c'est quoi, mais, pourquoi mais le Max, il est pas là, s'active comme ça, là. Bah, normalement, faut le mettre à 0 pour éviter ce genre de problème. Bah, t'y dernier. Bah, t'y avances. Dans le son réseau vocal, Mungus, c'est parti pour le 51. Ok, ouais. Gaffe à la ligne D sur Magnum, je passe. Ça a été vous pour le saut, vous êtes pas arrivé trop loin? Je vous configure vite fait. Test radio, Mac. Ok, c'est bon. Nickel. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser en deux groupes. Donc moi je serai à gauche avec Pierre, Gamefuse et Ox, et tu seras à droite avec Mathilde, Mag et Marty. Okay. Oh, excuse-moi. Bon. Ah, il reste celui que... Marty à gauche, non, Mathilde, ouais, ok. C'est... Ok, Magnum 1, Marty 2, Mathilde 3. Gamefuse, on suit la route. Ox en tête avec sa baïonnette. Ouais, on va suivre en parallèle Max qui est sur notre gauche. Ox en on tête, va attendre un peu. Suivi de Pierre. Mettez vos baïonnettes. De Gamefuse et de moi. Je l'ai pas la mienne. Ah, okay. Baïonnette, c'est canon. Comme ça, je serai le dernier à crever. Sauf s'ils arrivent par derrière. De toute façon, c'est moi le chef, vous avez rien à dire. Baïonnette en place. C'est une belle stratégie, chef. Moi, j'ai fait des études. Envolature. Ce que sur réplique. Bon, pour le moment, on tient la position, on tient le carrefour et on... Mathilde dans les 6. Sur ordre, sur mon ordre. On peut pas de tir à la volée gaine. Idia pour Idia 2, vous procédez. Bizarre, j'ai rien à la molette. Vous avez quelque chose ou à la molette? Affirmatif. T'as quoi? J'ai ouvrir le sac devant moi et l'arme flair si t'as une arme secondaire. T'as pas d'arme secondaire? Moi j'ai passé les charges explosives. Ah, j'ai pas, ouais. Si t'as pas d'arme secondaire, c'est normal, t'as rien à mettre. Évite s'il te plaît, Mag. Alors. tu veux mon Fergen ou mon... Non, non, négatif. C'est que tu peux. Bon, bah du coup, je suis en sapeur au cas où. Sergent, j'ai une question. Ouais. Et vous tombez, comment je fais pour contacter les autres? Tu me répares. C'est ta seule option. Mathilde, okay. T'envoies fort. Oui. Bonsoir. Bah, disons que le problème, c'est que vu qu'on n'a pas de radio... C'est un temps fort. On peut pas utiliser sa radio quand il est à terre. Je puisse percer tes rêves. Ok, ah. Une voix aiguë, donc on l'entend bien. Si t'as une autre idée, my kid. Je veux être la morphine qui hante tes nuits. C'est le chef. Vous êtes une en Allemagne, c'est ça? J'ai fait... J'ai fait mes études en Allemagne, tout ça. C'était quoi ça? À Munich. Ça a fait boum là non? Ouais, il y a eu une grenade ou un truc. Dans nos 6. Voilà, dans les 6 là. Oui, bah moi j'ai rien vu hein. J'ai vu de la fumée sur les sur l'avion quoi. Et dans, ouais, sur les 6, je crois qu'il y a eu du gravure, chef. Contact sur les avant, au bout de route. On tire pas. Contact sur les avant. On tire pas. On va engager. Attendez, c'est le patrouille, elle arrive. Magnum, tu bouges pas de position où tu te mets à plat ventre. Ouais, elle est tout là-bas. Hein, parce que derrière toi, tu as des gens. Le reçu, Magnum. Reçu, vous me dites et je me ouais. Bats. Ouais. Ok. Mon groupe, on va partir derrière pour voir ce qui se passe. Okay.
T'as reçu Max Patrouille dans les midis? Yep. Humugus. Ouais. Dispatche ton groupe à droite et à gauche de route. Nous, on va derrière pour voir ce qui se passe. Ok, t'as reçu que patrouille dans les midis, 300 ouais, mètres. Ouais, j'ai reçu, mais ils sont pas nombreux, non? Ils sont combien? 6, 4. Ouais, bah ça devrait le faire alors. Vous ok, reçu. Magnum, Chris, vous allez sur la gauche. Ok, pardon. Discrètement. Vous avez d'équipement à gauche de route. Mathilde. Allez, go. Mets-toi allongé pour limiter la prise de balle. Ok, je suis tout à gauche, Magnum. Après trop à gauche, ou alors bah, je me remets à droite. Pardon. Tu regardes dans l'est. Non, non, non. Pas de soucis. Équipez-vous, je vais faire un point. Ouais, je suis allongé à ta droite, du coup, hein, Magnum. Ok, je me décale sur la gauche. Seulement à mon endroit. On les laisse approcher au maximum. Par visu. Affi. Dès qu'ils sont en alerte, on tape. Du coup, j'aurai pas plus. Attends, je peux la fin de colonne. A gauche, vous tapez le début de colonne. Reçu. 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 Tu prends le premier, je prends le deuxième. Ok. On va taper reçu. Michel. Michel. Comment c'est traité. C'est pas nous qui avons suivi. Allié 6. Attends, tu confirmes que c'était 3. Restez dans les midis pour Magnum et Marty. C'est pris. Ouais, mais c'est pas nous qui avons. Nous les derniers, c'est pas nous. Le mec, il nous manque numéro 2. On peut déjà recharger Magnum si tu veux. Deuxième patrouille, bout de route. Mathilde, dans les 6. Négatif, je confirme pas, c'est une ombre. Alors remets-toi dans les 6. Ouais, parce que putain, tu m'as dit ça. t'es en ouest. Que quelqu'un ait cherché Serval, on se regroupe ici. Je vais rapprocher mon écran. C'est pris. Michel en a un. Il a quitté la... Il a quitté. Toi, tu vois pas. Sac. Hein? Lui montre tout dans votre sac. Ouais. Kiki, celui-ci ou quoi tu sers, il y a les yeux qui brillent. Dans mon groupe, mis à part Humungus, y'a personne qui a de radio. Personne de radio, hein. Magnum, Marty, Mathieu. Non mais c'est bon, j'ai négatif, pas de radio. Non. Négatif, y'a Humungus qui a de radio. Un peu bruit là. Il lumière sur les avant. Par là, c'est les alliés. À l'est. Ok, ça. Tu tiens comment? Ça va, t'es blessé? Je pense. Ouais, je vois un casque dépassé. Ouais. C'est un sidecar. Okay. Oh. Vas-y. Recharge. Ah, c'est vrai, c'est pas verrou, mais... Encore le B ? Ouais, il est tombé. J'ai l'impression qu'il est tombé, non ? Je regarde avec les jumelles. Vas-y. Ouais, tombé, tous les deux. Je vais faire quoi, okay. Je vais faire quoi ?
putain, j'ai l'habitude du fusil à verrou, c'est horrible. Allié d'arrive. Pour Humugus, on arrive. Reçu. Magnum, parti, repasser à droite de route. Oui. Vas-y. Tu me dis. Ok, escouade de Max, on est devant toi. Sur la position. Max, il faut qu'on se mette dans ton escouade ou... Bah, mettez-vous dans mon groupe là, comme ça on aura pas plus de problème. Là. Non, il y a que moi et Humugus. C'est bon, Gumshus. Bon, ça, les tricheurs, c'est quoi ça? Peut-être le jugement. Ça, c'est la moto que je vois en haut de la croix. Ouais, mais elle est là. Ah, si, il y a personne. Vous êtes dans mon groupe? Ok. Rapide. Alors, attends. On fait comment déjà chez... Allez, écoute, Tinja. Je peux toucher les fesses et faire Windows rejoindre le groupe Alpha. Reçu, ça y est. Marty, viens. Vas-y, Marty, on va rejoindre le groupe de Marty. Tiens, on fait 2-3. 2-3 correctifs et on arrive. Ok, c'est bon. On prend une couleur. Mini position, Magnum. Contact. Ouais. Droite vers gauche, dépassement de route. Sur la droite, sur la gauche de la route. Derrière Mugus. Derrière le groupe Mugus. Ah, bon, bah, je vous laisse les 6, hein, les copains. Oaks. Je vais changer. Allemand sur les midis, il est parti à droite de la moto. Ouais. Annoncé, il est passé de gauche vers la droite. Gauche vers la droite, je confirme. Il y a deux pour India. Il est dans la maison où il y a lampadaire là, à droite. Il y a deux. Il y a deux, on est en position droite de route. Parlez. Il y a deux, c'est pris. Donc Humugus, on progresse droite de route au niveau des buissons. À la limite, si on peut passer droite, c'est mieux. Ouais, je passerai à droite des buissons, on est d'accord. Hein, ouais, c'est ça, on passe à droite des buissons. Reçu. Le long de la route, on progresse direction le carrefour. Un tango près de la maison, hein. Reçu. Allez, pour Humugus en avant. Go. Droite de buisson, s'il vous plaît. Allez, go. On reste épaule basse. Merde, on peut pas passer. Ah, il y a deux. Ok, pas si pas. Ok, vas-y, Magnum, au-dessus. Ok, on stop ici. On stop, arrête, halt. On arrête sur la visière. On s'allonge. Allongez-vous tous en ligne sur la visière. Espacez-vous. Magnum, fais une petite roulade à gauche. Ouais, désolé, désolé. Merci. J'ai un stop face. J'ai deux. Faites passer le mec de gauche, va sur la route pour que Idia te voit. Parti, à gauche, sur la route. Gauche, oui, route. Sur la route. Tu restes sur la route. Tu restes à la droite de la route, mais tu vas sur la route reçue. Oui. Il y a deux points de gain, on donne sur la route. Ah, il y a deux, j'ai aucun visuel. Est-ce que vous êtes loin de la grange en table? Parlez. Qu'est-ce qu'il y a à gauche de la route là? Ça va, Marty? Je te reçois. Tu te mets debout, okay, s'il te plaît. Il y a deux, c'est bon. On a le visuel. Ok, reçu. Marty, tu retournes. Je retourne, ok. Ouais, India 2, vous pouvez entrer. Oh merde, tu peux India 2, c'est pris. On continue. Recoller de Marty. Ok, ça y est, Marty a recollé.
Oh, excusez-moi pour les lignes de feu que j'ai croisées multiples et variées. Marty, t'es là? Prochain lampadaire, c'est pris. Emungus, on oui. continue progression le long des buissons. On s'arrête au prochain lampadaire qui arrive sur notre progression. Reçu. Allez, Magnum, tu en quilles jusqu'au lampadaire. Magnum, tu es baissé, Marty, tu es debout. Non, mais je les entends pas partir. Parti pour Emungus. Ouais, putain, mais. Marty, tu te décales sur la gauche de. Sur la droite de Magnum. Mati, tu restes derrière Magnum. Prendre d'autres tirs pour la tête de colonne. Halte devant. Halte devant, halte devant. Foudre. Tonnerre. Actuel allié gauche de route. Pour partout. Ninja 2, j'écoute. Négatif, mais par contre, Ninja 2, on est en parallèle actuellement là. Reste avec Petro et revenez vers nous. Et oh! Quel beau moonwalk! Wow. On continue! Reprise, Magnum! Ordre de tir pour la tête de colonne? Ah, c'est tir à vue, hein. Marty, tu restes légèrement en retrait en arrière. Hein. C'est Magnum qui est en pointe. Tout ce qui est armé, on tire. Si, si, c'est, je les entends. Mais... Tout ce qui parle allemand, on tire. Et je... Ouais, non, je sais pas. À la fenêtre, à la fenêtre. Ouais, putain, mais c'est... moi, c'est différent. Marty, pour toi, à la fenêtre. Il s'est accroupi, il est pas tombé. Reprise. Marty, dépasse pas Magnum. Je suis à porte en visible. Mathilde, écoute, éteins-moi la lumière. Ok. Je pense que t'as. Oh là là, mais quel talent! Eh, médecin, mais pas que, hein! Stop pour Mathilde et Mungus. Magnum et Marty, vous faites la maison. Évitez de se mettre derrière le ballon de paille. Vu que t'as coupé, t'ouvres la porte et je tire. Et okay. Mon groupe, on passe de l'autre côté. T'es prêt? Prêt. Gauche de route. Vas-y. Il est sorti! Il est sorti par la route! On recolle la maison. En relais gauche. Ah, touché. Il est tombé. Mathilde, tu remets une vue sans point, s'il te plaît. J'en roule à gauche. On se met sur la droite, on disperse autour de la maison. Ok. Non. Je vais te mettre un garrot, ça va être long. Qu'est-ce que c'est? C'était un gros calme. T'es nous, India 2, hein. Ah, pas... si, je traverse pour sauver la petite cabane en face. On continue à avancer. Jusqu'à la baraque en bois. Recoller Serval, recoller Serval. Marty, tu m'as fait peur, Sarah. Ah, désolé. Pour la tête, j'ai eu ta grosse tête. Et t'as sorti. J'ai traversé vers la cabane. Magnum vert. Marty vert. Okay. Pour Mingus. Il y a un 360. Ton groupe. J'ai annoncé ma traversée, mais t'as pas dit autre chose. Tonnerre. Ouais. Sergent, vous êtes là? Tu me confirmes que tous tes hommes sont bien à l'intérieur. Vous êtes vert? Sergent? Est-ce que vous êtes fait? Vert. Pas vert. Les verts, sergent. Mathilde, Franck, Pac. Ok, véhicule sur la route, véhicule sur la route. Ça dépine. Franck ? Véhicule sur la route. Oui, quoi, Pec. Pourquoi tu as dit Franck ? Ouais, je suis pas avec vous. C'est bon, 100%. Attention, véhicule en approche. Véhicule en approche de l'est. Sidecar, sidecar. Sidecar en approche. Armé. En approche de l'est, sidecar armé. Feu, feu, feu. Non, c'était pas un sac là. Bon, il est où le sergent là? Il a voulu avoir un sergent, vous êtes là? Je suis là. On est en train de bouger. Si, je suis là. Il en est où là? Là, on doit être au cas. On est pas au cas de là. On va te faire ça. Ça ressemble. Ça ressemble. Je suis pas du carnage.
marche. Même dispositif. Ouais, même dispositif. C'est droit, c'est gauche. Donne-moi la radio, dis-moi quand c'est pareil à la radio. Ok. Magnum Martin, vous restez sur position. Merci. Normal, Charval, plutôt côté de route. Ouais, côté de route. Enfin, de ce côté-là, je veux dire. Parce qu'en plein milieu, voilà, parfait. Ok, il y a un, on maintient le solo. On fait en sorte qu'on attend que il y a deux soit regroupé et on poursuivra en progression vers le carrefour. Toujours plein est. Personne n'est blessé côté Inga. Ok, ça regroupe tout le monde en se posant dehors là au niveau des ballons. Ok, Mathilde, tu sors par l'arrière de la maison. Magnum parti, vous décrochez par les 6. Compris, je recule. Oui. Vous faites des six, Shinja. Bah écoute, non. Ok, on est derrière. Voilà. Un regroupé. Ok. Un partez toujours en tête, hein, direction la carrefour. Arrêtez-vous un peu avant au niveau des clôtures là devant à 100 mètres. Reçu. Magnum, tu entames ta progression. Attends, merde, j'ai foutu mon truc, ça va pas. Est, hein, toujours. On reste à la droite de la barrière. Et après. Vas-y, tu entames. Ok. Alors, en mouvement. Allez, deux. En mouvement. On enquille derrière un. Un parti. Même progression, décalé sur la. On fait un décalage sur la droite. Marty, t'es légèrement décalé par rapport à Magnum. 2 pour 1. Et toi, Mathilde, t'es dans l'enfilé de. India 2 pour India 1. On est parti. Magnum. Ok, il y a la grange en brique en S qui est grande ouverte. T'envoies forte, Magnum, je t'entends pas. J'ai un visu sur une grange en brique en est, grande ouverte, j'ai pas visu. Pardon. Projecteur est, j'ai pas de visu. Reçu. On fait une. Ah, Marty a pris halt ici, là. Halt. Au niveau des barrières. Halt. Plat vente pour 1. Ça part. Ok, reprise. Ok, reprise. Reprise 1. Grange ouverte. De route. Reçu. Pas de visu. On part. On reste bien en colonne pour mon groupe. Le long des buissons. Un peu vers la droite, pas. Magnum, vers la gauche, pardon. Vers la gauche, excuse-moi. Encore. Essaye de te coller au buisson. Passe ma arme épaulée. Bunker gauche. Abri bois, grange bois, pardon. Reçu. Ok, je vois derrière du mouvement derrière au niveau des ballots de paille à 100 mètres. De l'autre côté du mur. Environ 200 mètres le bunker. On s'arrête là, la ventre. On va attendre ce que notre leader nous dise. J'ai pas eu de visu sur le. Visu, j'avais déjà intérieur. On est à droite de cette grange. Apparemment, entre Max, entre la grange. Et la petite cabane en bois, les chiottes là, on aurait repéré un bunker apparemment. India 2 pour India 1. India 2, on a repéré un bunker entre la grange et une petite cabane en bois sur route. Ouais, rechargé pour 1. Azimut 60. India 2, free. Ok, on part en repérage. Unité, vous partez au niveau du ballot là. Ok, reçu. Vous checkez. Ok, allez, un, reprise. Pas de prise de risque, hein, Mathilde. T'es notre seul médic. Une fois qu'on est au rush.
Magnum, fais le tour par la droite. Essaye de passer entre le rocher et la maison si tu peux. Je peux pas. Ok, alors on court. Je me mets à couvert. Mon groupe, okay, on suit Marc sur le ballot. On suit Magnum. On peut pas. Ok. Ah, si, on peut. Attention, ligne de feu. Décrétez pas. Ninja 2, Ninja 1. Va sur la gauche, hein, Magnum. Hein. Ah ouais, c'est. Ok, Roshi. Il y a un bladé là, une ombre de bladé. Stop. Arrêtez-vous. Hein. Je vois comme un canon. Ok, ça doit être la DCA, je pense. On sent, 110. Il visite un avion, notre droit. Okay, ah, c'est un avion, pardon. Je croyais que c'était un canon. Ok, alors on continue à avancer sur la gauche. Attendez. Pour voir ce. Stop. On a un PAX devant. Négatif, il ouais. y a le bunker. Il y a un PAX devant, il y a un bunker. On a un sentinelle et on a un soldat dans un. Ninja 2, ouais, c'est pris. Vous aurez un meilleur visuel. On tient. Tonnerre. Magnum, Marty, appuyez-vous sur la maison plutôt que d'être à découvert. Je suis sur les balles au travail. Lieutenant. Ah, vous êtes là. Ligne de feu. Ah, ici, montez sur les ouais. ballots. Vous allez voir. Ok, il y a du mouvement devant, je n'ai pas trop de deux. Faut te mettre un azimut. Patientez, azimut 83. Je suis pas debout là. 83, non, t'es pas debout. Je te vois allonger. Je vois rien, il fait nuit. Je te vois allonger. Moi je fais pour monter. Ah voilà. Ouais, j'ai vu. Franck, tu viens sur moi. Ouais, mais je le vois le gars là. Je pense que c'est le même visuel que j'ai. Ouais, il y a l'azimut. Ouais. 85. Alors attends, le bunker c'est ce qu'on voit tout droit devant avec un PAX qui fait gauche-droite devant, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ouais, vous avez pas d'autres visuels? Est-ce que tu penses que vous pouvez progresser jusqu'à la petite grange là qui est sur notre droite, là, à une heure? Ouais, mais par contre... un peu proche. Non mais ok. On sera fixé. Donc du coup, vous pouvez faire un feu suppression d'ici? Ouais, ce sera mieux. Ouais, on va plutôt faire l'inverse. Je pense qu'on a le visuel, la même chose, et nous on a les MG. Ouais, ça marche, on fait ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Bah, dès que nous on ouvre le feu, vous pouvez entamer votre progression à discrétion jusqu'au bunker. Ouais, ça me va. Ça marche? Ça me va. Ok. Pour mon groupe, India 2 au complet, on progressera en ligne jusqu'à l'objectif. On aura un feu nourri sur notre gauche. Nous, le but c'est de progresser, de tirer s'il faut, si visuel. Et on ne s'arrête pas. Quoi qu'il arrive, on ne s'arrête pas, on se donne rendez-vous au niveau du bunker en face. C'est reçu? Ouais, reçu par Chelblanc. Ah, bunker. Mungus, viens sur moi. Ouais. Tu verras. Le bunker qui est ici, là. Marche rapide, armée épaulée. Ok, reçu. Armée épaulée, prêt à tirer. Préparez-vous pour 1 en ligne. Allez, 2, on se met prêt en bas. Prêt. 2 en ligne. Prêt. On attend. On attend, hein. On attend que India notre India. Groupe nous couvre. Mathilde, tu es prêt toi? Reçu. On s'étale sur la droite. Plus. Encore. Tu étales un peu sur la droite pour aider. Sur la gauche, pareil. Étalez-vous. Ouais. Ok, vas-y, c'est bon, on est bien. Là. Ok, il y a un négatif, droite de route le bunker. Sergent Mingus. Oui. Autorisation d'utiliser le pistolet de flair pour en dire négatif. Non, négatif, faites une suppression, ça attire l'ennemi et nous on progresse. Allez, vous êtes prêts? Debout, ouais. En épaulé, en avant. Contact en joue devant. Marty à ma droite. Marty à tout mon groupe, tout à couvert.
position pour 1. Couverture d'ici. On tire position pour 1, mettez-vous à couvert. Il y a encore des gens droite midi. Derrière, on en voit. Ok. Allez. Alors, on recharge. J'aurais besoin d'une piqûre. Là. Pierre est bon. Elle écoute. Ah. La lumière, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui s'est mis debout et accroupi là-bas. Derrière les sacs de sable. Ok. Traite-moi la lumière. T'as vu? J'ai pensé à Mathilde, je me suis dit putain, il faut mettre un garant. Faut l'enlever là maintenant. Mais du coup, ouais, j'ai vraiment. Je me suis dit, il faut mettre un garant, tu vois. Bon, chef, alors, on coule ou on fait un pique-nique? J'arrive. Allez. Unité. Oui. On avance. Non, unité, tenez position. Max, attention, je suis derrière. Unité, vous restez sur position, on couvre 2 qui va avancer jusqu'au but. 2. Pris. 2. On a pris. On progresse le long de... On progresse le long des buissons à gauche. Regroupement. Ouais, elle est partie. 2, regroupement. Près de Magnum pour... toi aussi soutenir. Pourquoi on n'est pas tous là, là 2. Ah, pec. Allez, go. 2, on progresse le long des buissons à gauche. Le long des buissons. Couvre 2, la progression de 2. Traité. Tu es remonté forte. Bien joué. Sergent Humingus, il m'a appris une chose dans la vie. C'est une balle, un mort. On tire jamais pour rien. Contact. Il y a encore du monde. Un cessez-le-feu. Recharge, t'as fini de recharger? Magnum recharge, vas-y. Lit premier deuxième à terre. Oh merde. C'est Max hein, qui était à terre, c'est ça hein. Max, tu me reçois? Ouais, je te reçois. India 2... Ah, attends, pardon, mauvaise radio. J'ai lancé une grenade. Non, je crois qu'il s'est pris là, vraiment. J'ai lancé une grenade, mais c'est débile. Quand je vous ai blessé. Un, recollez-nous. Bah, le truc, c'est qu'il a lancé une grenade, il s'est pris une balle en main. Un, en avant. Bien pris. On reste dans la même progression et dans la même horde de colonnes. On les supporte. Un, on arrive sur toi. Et un homme à terre. Marty derrière les rondins de bois. Oui. À droite. Magnum essaye de prendre position dans un bunker. Ouais, elle m'a blessé. Ah bah comme tout par hasard, c'est Game Plus 2. Vas-y, Marty, si tu peux décaler encore plus sur la droite. À l'étage, à l'étage. Traité. Étage, deuxième maison, étage. Marty essaye de décaler sur la droite, contre le mur. Contre le mur. Ouais, sur la droite, sur... Voilà. Y'a un auto. Y'a un mec en haut. De l'autre côté de la route. Arrête. Vas-y. Je crois qu'elle est dans la barre. C'est bon, je suis venu après, je reprends position. Il est en train de gueuler en plus. Pierre et Gameplus. Ouais. Progresser avec McDom et aller jusqu'au champ. Un blessé pour... Un qui est pas couvert en route. Ouais. Dans ma terre. Ah ouais. Merde, ramène-le. On fasse les premiers soins, ça fait longtemps qu'il a. Magnum, tu restes sur place dans le bunker, hein. Tu t'avances pas. Parce que ouais, on va pas dans les mecs. Ok, Magnum, Pierre, allez sur ce nid mitrailleuse, vite. Neutralisez-le. Il y a deux côtés. Attends. Mais non, il s'en. Tiens le coup, Pietro. Deux gars. Mathilde, t'auras Marty après, hein, que je t'ai mis juste à côté. Est-ce que t'as besoin d'aide?
Il a du pouls, mais il est un peu long pour le relever. J'aurais besoin que tu check de temps en temps s'il perd pas son pouls. Reçu au capou pour Marty. Non, pour Aux. Au capou pour Marty. Ok, c'est pris. India 2, on a besoin. Et... Franck, tu m'entends? Non, c'est sur Marty. Ok, 1, je rentre. Max, tu m'entends d'ici? Tout normal. India, non, mais moi, vas-y, qu'est-ce que tu veux lui donner comme message? Bah, j'ai cru entendre qu'il y avait un homme à terre sur place dans le bunker, c'était Marty? Oui, apparemment, c'était Serval, je crois. Il faut du sang sur Serval en urgence. Bah, okay, d'accord, moi je veux bien, mais amenez-le moi, ou je sais pas, soignez-le. Ok, Humungus. Oui. Tu peux prendre la relève sur les RCP pour que j'aille voir Serval? RCP sûr. Merci. Reste là, il va te l'amener. Okay. Non, mais... Il va mourir, il est en critique. Et Pierre aussi, il est mort? C'est Gamefus qui t'amène. Ok. Ok, Aux debout. Donc, état de santé. Vert. Vert, dans le bunker. Allié. Non, pas vert, vérifie-toi, hein. Oui, mais si, je suis vert, c'est juste que j'enlève mon gardien, je suis prêt. Je t'ai suturé, okay, ou pas? Ok, et tu vas dans le bunker, s'il te plaît. Ok. Si bouge pas, je te mets l'enfile. Marty, dès que t'es opérationnel, tu te retrouves dans le bunker. Marty, t'es opérationnel. Oui, merci. Vas-y, tu vas en arrière encore une fois. Laisse passer Gamefus pour Mathilde. Arrête-toi là. Merci, Gamefus. C'est bon. Marty, dans un bunker. En direct, Mathilde. Okay. C'est pris. Pousse-toi. Je suis toi, Aux. Bon, c'est à moi. Voilà. Aux et Marty, je veux pas te blesser là. On se protège par les bunkers. Oui, mais. Prends pas de risque. Hein. Profitez-en pour recharger vos armes. Et éventuellement recharger vos. Réorganiser vos chargeurs tant que c'est encore le moment qu'il y a un tout petit peu de temps. Il y a un truc qui nous tient dessus. Ok, je vais sur Mathilde. C'est. On est là où on était tout à l'heure. Mathilde! Attention, sergent, il y a quelqu'un qui tient là. Mathilde! Qu'est-ce que j'ai dit? Ils ont essayé de tirer sur l'éclairage qui a notre. Ok, d'accord. Ça vaut mieux. J'ai pas de garrot. C'est pris? J'ai plus de garrot. T'as plus de garrot, tu fous ma gueule? Non. Est-ce que t'as pris les 4 garrots du sol? Ah, j'entends mon cœur, Et Pierre, essayez de. D'aller sur le bunker que je vois là. Là, par contre, c'est ennemi. Oui, attention. Excellent, vous regardez. Foudre. Donc, allez-y. Tête baissée. Le gros truc. Mettez-vous à l'abri du bunker. Derrière le mur à 1h. J'ai besoin de soin. Ouais. Grenade. Devant Gamefus. Gamefus, les gars. Mets-toi. Je m'en occupe, Max. Gamefus, bouge. J'ai perdu Max. Allez, Gamefus. Il est là. Oh, Aux. Qu'est-ce que tu as dit? Il était traité, Vinci. Ouais, je l'ai vu tomber. Je l'ai vu. Pierre et Malenpoint. Gamefus, dans les 6 avec Mathilde. Qu'est-ce qu'il te faut? Qu'est-ce que je fais? Pierre, tu refuses dans les 6, s'il te plaît. Tu me check Serval, tu me dis si là tu joues et sinon tu fais des RPG. Ok. Franck pour Kelly. Ouais, écoute. Il a pas de couleur. Autorisation de statut par Mimi. Oui, il y a d'autres de blessés qui est en train de crever là. Ok, tu vois en arrière comment je ferai ta stabilisation derrière, s'il te plaît. Et tu vas tomber. T'as mis des garrots? Juste 6, juste pour ta jambe, pour que tu puisses courir. Il y a une MG34. Bah du coup soigne-toi toi, j'ai pas besoin que tu tombes en plus, il faut que tu te soignes au... Bon, je vais vous rester en position. On se fait du sang à Max pour le lier et... Tonnerre. Mais qu'est? Ah non. Pour un peu je tirais. Humungus? Oui. Il est où votre sergent? Il est derrière avec Mathilde. Il est en train de crever. Qui m'appelle? Ça va pas bien? Non, vraiment là j'en ai 3 qui sont. Ah, mais Serval aussi il est blessé. Qu'est-ce que Serval et j'ai Pierre qui va tomber dans les pommes dans pas longtemps. Non, moi c'est bon, je suis stable. Magnum pour une Magnum. Attends, on va demander à Kenny. Kenny! De Pierre, il y a eu plusieurs. Kenny, reviens, rejoins-nous, droite de route, on a besoin de soin. Épinéphrine. À Serval. Ok les gars, vous restez là. Ok, j'ai perdu Pierre. Mais... Non, c'est par où? J'ai perdu Mag. Mais bon, il y a notre deuxième médic qui arrive. Absolument, si Kenny peut venir, Game c'est un grand plaisir. Médic, s'il te plaît. Priorité sur qui? Priorité Max. On l'a perdu définitivement là, notre cher ami Magnum? Non. Magnum, on met des pansements quand on a des avulsions. Petite bandage. Encore faudrait-il en avoir des pansements?
J'ai reçu une information comme quoi dans la maison deux étages qui se trouve sur T9. C'est qui qui est plus de garage? Ouais. Il y a une caisse, c'est ça? Ce que m'a dit Magnum. Max, tu me le confirmes? Max stabilisé, il a repris du coup? Affirmatif. Ah, ok, maintenant. On est le carrefour là, c'est bizarre qu'il y ait une caisse. Je sais pas, c'est parti directement sur tous les bunkers. De Magnum. Tu me confirmes qu'il y a une caisse éventuellement dans la maison de deux étages, là où sont positionnés tes hommes? Ah, là on est positionné là. Ah, mais non, oui, excuse-moi, j'avais pas compris. Qu'est-ce qu'il y a, Altor? J'ai pris des infos. Oui, sur le patron, il y a marqué livraison de vin. Il est en RCP, je crois. Ok, ça va. Il y a une coordonnée ou quoi que ce soit, non? Non, on regarde la carte derrière. Livraison de vin, Von Kruger est prévu demain au château Gondry. Ah? Ouais, si tu vas dans info sur la carte. Magnum a pas de. Non, le château Gondry, je sais pas ce que c'est. Ah bah c'est la station radar, ok. Okay, c'est bon. Franck, il y a des panneaux sur le carrefour aussi, là. Peut-être une indication, je sais pas. Ouais, RCP, qu'est-ce qu'il y a sur le carrefour? Il y a des panneaux sur le parc carrefour, je sais pas si il y a des indications. La commandanture et compagnie là. Ok, ça va, ça devrait aller. Colville, la gendarmerie. Verstappen compagnie. Je t'ai mis pour la douleur, je t'ai mis une transfusion. Max de retour. Ah merci. Le encore fini. Oui. Répète. Non, non, c'est pour demander au lieutenant Franck. Merci. Enfin, je pense que c'est là où il y a la station radar, mais parce que c'est marqué. Il est marqué station radar de Gondry. Carval, il est derrière avec Mathilde. On l'a perdu. Tu peux me prendre ça? Il est dans le train. Lieutenant Franck. Ouais, je vous écoute. Ok. Vous cherchez un château? On en a un qui est au sud. Au sud de notre position. Effectivement, ouais, le château Gondry sur la carte, c'est pas du tout là, d'accord. Très bien, bah du coup on a peut-être une mission bonus pour nettoyer effectivement, donc on va se diriger pour un peu. Ok, côté Mungus, ton groupe c'est ok? Mon groupe est ok. Ok, ah sergent, vous êtes de retour? Ah, je suis de retour. Ok, ouvrez votre carte. Ouais. Sur info. Déplacez main grave par ici. Il y a Daltor qui a trouvé des documents là dans la baraque. Ouais. Où il parle d'une livraison de vin pour le général Kruger au château Gondry. Ok. Le général lui-même vous accueillera. Ça veut dire que le général Kruger, il est dans le château de Gondry. Le château de Gondry, il est au sud de notre position, ici. Pourquoi t'as toujours un cadeau, pierre dans le dos? Ouais. Donc on va se diriger vers le château de Gondry parce que ça veut dire qu'on est en mesure de faire un petit peu de nettoyage vis-à-vis de l'état-major allemand. T'as ton parachute, non? C'est ça ou pas? C'est ça à quelle heure? C'est, okay. Non mais c'est livraison le matin, mais ça veut dire qu'il y est, il est en train d'y passer la nuit. D'accord. Donc ça veut dire qu'on va tomber dessus. On va progresser, alors au niveau du cheminement. PTL, prochain ravitaillement. On va y aller en direct, hein. D'accord. On devrait tomber dessus. On va pas faire gauche-droite. Vous serez en tête, on sera derrière, avec 50 mètres de séparation. Ça marche? C'est prêt. Vous pouvez commencer à vous mettre en position sur la... Attends. Sur la route, je ramène mes hommes, on va se mettre derrière vous et sur mon top on partira. Attends, répète le dernier. Non, je disais juste que tu peux commencer à te regrouper là. Je vais faire sortir mes hommes de la baraque pour se mettre dans vos 6 et on ira. Ça marche. Merci. Et Mingus. Ok, il y a un rassemblement au rez-de-chaussée. De ravitaillement. J'ai eu l'information tout à l'heure de Magnum qu'éventuellement dans la maison où était placé Franck actuellement, il y avait peut-être une caisse. Véhicule. On se regroupe au rez-de-chaussée. Je suis sur le côté droite de route. Droite de route. India. Mingus. Oui,
Ouais, dans ouais, ok, Serval est là, c'est bon. Allez, vu. Donc là, pour le moment, le programme a changé. Il faut aller sur le château de Gondry pour neutraliser le général Kruger. Donc, on part en. Attendez, on n'est pas parti. Château de Gondry, c'est la. C'est un pont de radar, c'est ça? Non, c'est toi, c'est India 2. Ah, château de Gondry. Pietro, viens ici, viens ici. Recule. Viens au niveau des panneaux, on va un panneau indicateur. Château de Gondry, c'est juste. Ok, reçu. Serval, on se dirige de toute façon, on longe la route. Reçu. Il est Walter. Chef, permission de changer d'arme. Ah, ouais. Avec les documents qu'a trouvé Walter, on vient d'apprendre qu'il y avait un général allemand, le général Kruger, qui était en train de passer la nuit dans le château de Gondry, qui se trouve au sud de notre position. On va y aller en direct suivant l'itinéraire noir, histoire de pouvoir alléger l'état-major allemand de quelques gradés. Non, négatif. Donc, l'ordre de colonne, c'est pas compliqué. C'est India 2 qui ouvrira la marche et nous, on suivra 50 à 100 mètres derrière. Donc, on n'est pas en parallèle, on est en colonne, grosso modo. C'est pris ? Ok. On peut commencer à se positionner en colonne derrière Pietro, au niveau des panneaux, là, en se dirigeant vers le sud, à peu près. Et on va attendre que India 2 mon groupe démarre. On se met en position aussi, là, pour mon groupe. Acteur. Donc, acteur, c'est derrière Pietro. Ouais. Bon, de toute façon, il y a un quart du groupe qui est là. Ouais, Alter, t'es derrière Serval. Alter. Regarde, t'as la 25%. Oh non, négatif. Correct. Non, tout à fait, c'est Alter et ensuite Serval, ouais, tout à fait, l'ordre. Ouais, négatif. Moi qui me suis trompé. Alter, tu colles au cul à Pietro, s'il te plaît. Pour 1, vous allez devant, vous prenez la tête. 2, on vous suit. Encore 30 secondes, le temps que MacDonald change d'arme. Donc, itinéraire. L'itinéraire, c'est dans la direction de mon bras, par là. Ah, ouais, sergent, on est paré avec India, hein, donc c'est okay. Ah, à votre initiative. Bon, j'ai eu un problème, les munitions ont disparu au moment où je les Il y a un véhicule qui arrive, il arrive. Sud. Il vient d'où? Du sud? Reçu. Du sud, plein sud. Azimut, plein sud. On va aller plein sur la route. Ouais, j'ai vu des feux. Ouais, il y a un véhicule qui arrive côté sud, il y a des feux. À la place. Traité. C'est le feu. Allez, 1, 2, on y va, on déroule. Adam, en avant. On traîne pas ici. Mathilde, tu suis. Dès que tu peux partir à gauche, MacDom, tu fais tout de suite. MacDom, tu suis l'azimut 160, hein. Donc c'est à gauche dès que tu peux, MacDom. Bien pris. Voilà, midi, MacDom. Allez. On a toujours un décalé. Toujours un décalé droit par rapport à MacDom. Petit décalé droit par rapport à MacDom. Ah, ok, c'est bon. Nickel. On aura un grand champ devant nous. Affirmatif, on va passer par la droite pour suivre la lisière et on repiquera sur la gauche. Reçu, MacDom? Reçu. On fait un stand-by sur la lisière. J'ai des bâtisses en face. J'ai plusieurs. Voilà, c'est les bâtisses en face qu'on doit aller. Donc tu avances jusqu'à temps que tu aies du couvert. Stand-by sur lisière là, c'est bon, vous avez les prévisuels. Seconde, on a deux bâtiments. J'ai aucun visu sur le bâtiment en longueur. Un bâtiment sur nos humeurs avec des lumières rouges, il y a peut-être des feux de véhicules. Sur le bâtiment central. Ah ok, c'est ici là. Bâtiment okay. Avec peut-être véhicule. Dirige azimut 160 jusqu'à la première lisière. Marty, prépare-toi à y aller. Allez. Quand tu veux, MacDom. Quand vous voulez. Go Marty. Deux, on se prépare. Allez, go. On s'arrête à la lisière. Tu vas contourner MacDom, tu vas partir sur tes 3 heures et après tu partiras sur tes 9 heures, maintenant. Bien pris. India 2, attendez, descendez. Voilà, on suit les petits bosquets. India 2, on a repéré sur.
la vue, l'exposition sur la gauche. Ouais, ouais, affi, affi, affi. Stand-by, stand-by 2. Hein. Stop, stop. Stand-by, on arrive. À couvert, à plat ventre. J'ai un visu sur Bunker. Reçu. On reste pour l'instant, on attend deux qui nous suivent derrière, mais qui est enfin en palabre avec le chef. On se met à couvert, dans les fourrés. Je check mes munitions. Pour pas être visible. C'est maintenant qu'il faut éventuellement réorganiser les chargeurs, recharger tout ça. Est-ce que quelqu'un aurait du 7.82? T'as quoi comme arme? J'ai un CAR 98K. Emengus, on va checker une indicative Delta là sur carte. Reçu, on reste sur place pour l'instant. Magnum, est-ce que tes cartouches c'est du 30.06? Négatif, c'est du calibre 7.92 57 Mauser. Ouais, merde. Tu vas être le seul à... Non, j'ai rien à dire. Ouais, le seul c'est de la section à avoir ça. C'est... Je voulais me... Véhicule. On reste bien couché. Ok, véhicule civil, véhicule civil. Oui. Et sergent Max de lumière rouge, en fait, c'est un checkpoint. C'est les phares, etc. Ok. Ouais. État de tes munitions, Magnum. J'en ai qu'une. T'as qu'une cartouche? J'ai qu'une balle. Au moment où je voulais me réarmer, les décors. Reçu, reçu, reçu. Bon, tu passes en deux, Magnum. Bien pris. Mathilde, est-ce que t'as quoi comme Thompson? Ouais, je peux lui filer mon arme, attention. Oui, affirmatif. Magnum, tu échanges ton arme avec Mathilde. On a eu l'ordre, Mugus. Hein. Je recule. Reçu. Allez, t'es juste derrière toi, Mathilde. Reste à l'endroit. Okay. Alors, je pose ça là. MG2, ordre. Enfin, ordre de déplacement. En fait, Mugus, j'ai récupéré des grenades sur un homme. Reste à ta position, Marty. Oh, pourquoi tu me grésilles dans les oreilles? Attends, Max, qu'ils aient permuté leurs armes. Je fais de la place dans mon sac. Voulez, hein, pour y aller. Car c'est vraiment mes préférés, sont trop belles. Tu me dis quand t'es opérationnel. Et c'est Magnum. Bon, tout est par terre. Tout est par terre. Merde. Ah, oh, fais chier. On est juste derrière vous là. Merde. Oh, fais chier. Quoi? Je me trompe de touche. Ah, c'est pas grave. Non, non, enfin, c'est pas grave. J'ai un explosif par terre. Ouais. Je me l'ai pas dit. Sur T9. Stop, alors, dans tes midis là. Marty, tu restes en observation sur le. C'est pris. L'azimut 140-200. Ok, c'est bon, je suis équipé. Tu as encore des munitions par terre. Oh, fais chier. J'en ai encore posé deux autres. C'est pas très grave. Fais juste I et puis tu prends directement ce qu'il y a par terre. Ouais, ouais, parce qu'en fait, quand je fais I, ça. Tu as encore deux explosifs et deux cartouches. Ouais, okay. Bouge pas. J'ai des cartouches et tu peux les prendre. Pas. Comme ça, je vais bouge pas. Bouge pas. Ouais, comme ça, t'as déjà le visuel. Ok, c'est bon, t'as tout dans ton sac. Ok, merci. Moi, je vois toujours deux gros paquets TNT là. Ah, ouais, ils sont posés, ils sont posés. Reçu. C'est bon, allez. Ils sont posés, mais désormais. Ok, un go. Magnum, tu reprends ta position et en avant. On est parti. Reste toujours sur la lisière des bois, hein, Magnum, tu t'en vas pas dans le champ. On essaye d'être au minimum en protection visuelle. Ok, je vise sur la bâtisse. Ok, on s'avance. J'ai un homme qui garde. Ok, marche lente maintenant. Ouais, droite. 1, on est en marche lente. Je suis en marche lente. Passe à droite des buissons. De côté, ça passe à droite des buissons. Bah ouais, mais bon. Ouais. Je pourrais faire la même chose avec là, Ma fille, je suis derrière. Mathilde, t'es aussi dans les 6, on est d'accord? Ma fille. Voilà, ça lag fort. Si je retrouve un autre, je le prendrai à toi. Ouais. Un mec qui garde le véhicule. Dans le château avec un drapeau. On continue dans les 6, hein, toujours pareil, je fais un changement.
Standby. Standby. Standby, allongez-vous. Standby. Ok. Je suis là, sergent. Ok, on a un bon visuel là, je trouve. Donc, est-ce ouais, qu'on a un bon visuel. La question c'est par où on aborde. Derrière l'arme. Et oui, mais. Et l'autre progresse de plus en plus. Le problème c'est qu'on n'a pas trop de dénivelé. Comment? Non, bah, ah, attends, t'as vu, il y a aussi un bâtiment côté gauche ouais, qui a l'air c'est d'être ça. Coupé, hein. Moi j'aurais bien attaqué le bâtiment côté gauche en priorité. Ensuite, c'est rebondi sur le château. Ouais. Là, on peut très bien progresser le long du muret. Hein, le long y a, du muret. Il y a un muret là devant. Là-dedans. Ouais, ah, un muret devant. Voilà, c'est ça. En rentrant, on le longe, on va jusqu'au point indiqué là, dans la direction de mon bras, et on le traverse. Ouais. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est peut-être qu'avec avec le spot là-dessus, on peut prendre la baraque là. Ouais, c'est ça. On fait quoi? On vous couvre, vous progressez jusqu'à la baraque? Ouais, et ensuite on fait l'inverse une fois qu'on est sur la baraque. Donc quand vous nous voyez qu'on est sur la baraque, bah non, on a la radio, je suis bête. On vous recolle. On va faire ça. Allez. Mon groupe en couverture. Ok. Tous en couverture, Indien doit progresser jusqu'à cette baraque. Donc on couvre les environs. Attention, le château il y a une heure. Ouais, et puis surtout qu'il y a un bunker sur la droite du château. Agnome Marty, voilà. Vous êtes vous en surveillance sur l'azimut 130 170. Bien pris. Oui, Mathilde. Mon groupe surveillance 140. Ah, là. Non, là. Voilà. Faites-vous un petit tas pour vous enlever l'herbe devant. Tu as pris, Max ? Un petit écrasement de fougère. De quoi j'ai pris ouais. Le... Pas le mec, le général ? T'as le général en vue là ? Marty, vérifie-moi le bâtiment pas, qui est là, deuxième. C'est lequel que tu parles C'est déjà fait, il n'y a personne. Okay. Là. Ah, c'est où que tu vois le général ? Jean-Max, premier. Pas vu, j'ai bien. À droite. Le noyau, le général. Premier étage. Ah, pas vu de général. Ok, fenêtre de gauche. Ah, pas vu, moi, t'es sûr que c'est lui ? Négatif, mais je crois que quelqu'un a bougé. J'ai pas un angle de vue. Ok. Ok, Mingus ? Oui ? Apparemment, on a un mec à l'étage, fenêtre de gauche, dans le bâtiment éclairé. Bâtiment éclairé, azimut 120, c'est ça ? Indien, c'est pris en couverture. Allez, tous en couverture. J'ai un visu, Max. Il y a une fortification. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est 160. Parce que nous, on a l'arbre devant, donc on n'a pas 160. Le même visuel que. Bâtiment humongous, bâtiment. Moi, je confirme pas, je vois personne à l'étage. Fenêtre de gauche. Ok, Marty. Moi, je l'ai. Premier étage, bâtiment 160, avec une antenne sur le toit. Tu vois le bâtiment ? Ah, fille, je vois le bâtiment, je vois personne à l'étage. D'accord, il y a. Premier étage, il y a. Surveille la fenêtre de gauche, reçu ? Je surveille la fenêtre de gauche, c'est pris. Merci. Je l'ai, Max. Hein. Mais moi, j'ai visu aussi. Ouais, moi, je l'ai. Et fenêtre de droite, moi, je le vois par contre. Hein. Je vais devoir bouger les fenêtres de droite. Alors voilà, donc c'est ça que je veux, c'est ça que je veux que tu surveilles. Ok. Tant que ça tire pas, on tire pas. Il a bougé. Il est parti. Il est revenu. D'accord, sauf que pour l'instant, ça tire pas. Voilà. Dès que ça tire, Marty, t'allumes. Oui. Il est parti à gauche. Ouais. Il est à gauche. Il y en a deux. Il y en a deux, un à droite et un à gauche. Reçu. Pour l'instant, vous excite pas. Voilà. Ok, fenêtre de gauche, information, pas de général. Il y en a un, il a une casquette, ça a l'air d'être un OPR, et l'autre, ça a l'air d'être un soldat basique. Ok, c'est reçu. Là, je prends les parts Oscar. Et on a un troisième, du coup, qui est dans la pièce de droite derrière le mur. Il y en a un qui fait Dark Vador là-dessus. Ouais, c'est Black Dom, je crois. Pardon. y a pas de mal. Passe en voie normale. Merci de m'avoir filé ça, j'adore. Hein. Je pense que je pars, définitivement, c'est ma préférée des WWE de vidéo. Ouais, mais t'as qu'une cartouche. Ouais, mais c'est pas grave, je ferai au moins un mois. Fenêtre de droite, allez, là, je te demande d'en faire deux. Regardez-moi le Zoska qui nous regarde là. Max, juste à droite de la maison. Allez, attention, Max a Franck a commencé sa progression. C'est un bunker qui doit abriter une pièce d'artillerie, je pense. J'ai une balle, pas de façon, je suis à droite. Le programme là, c'est ils se posent sur la maison, ensuite on les recolle, on fait assaut sur le petit camp qui est en azimut 120.
une fois qu'on a écrasé le petit pont qui est en azimut 120. Tu veux pas qu'on tire maintenant là pour les autres? Bon, ok. Fenêtre de droite, ton conscient, fenêtre de droite. Ah, mais il est mort quand même. Stop feu. Que quelqu'un s'occupe de Serval. Putain, il doit être à terre. Tu l'as eu la fenêtre à droite? Ça bouge plus à droite. Ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de recoller les murets là. Le muret, ouais, c'est ça. C'est tu as entendu, Magnum? On recolle les murets en premier. On recolle les murets, ensuite on longe les murets vers la gauche et on regroupe l'autre groupe. Reçu. Tu me dis quand on y va pour 1. C'est prêt. Reçu. J'ai pas bougé. Allez, go. Go. En avant. Pour 1. On est suivi. Vite à cul. Il y a votre mouvement. Change un personnel dans la cour devant. Fille, moi aussi. N'oubliez pas, vous avez des grenades à la main, c'est pour ça que ça sert. Ouais, la fille, bien vu. T'es sur ma gauche? Sous ta gauche, ouais. T'as bien. Ouais, c'est trop loin les grenades. Ils sont vraiment trop loin pour les grenades. Deux personnes dans la cour. Ouais. Ok. Ouais, alors deux, on prend la tête. On dirige vers le. Mathieu, tu peux plus regarder de temps en temps dans les 6, hein. Ils sont deux dans la cour, Max. Ok, t'es 3, non? Ouais, mais n'oublie pas de temps en temps de regarder dans les 6. Laissez-moi, on verra pas. Allez, au secours. Au niveau de la porte. Magnum, dès que 2 a commencé à avancer, tu avances. Après, j'attends encore. Attention! Vas-y. Ok, reçu. Ah bah oui. Des fuses à terre. Allez, un, tu continues. J'ai remis. Attention, Marty, ligne de feu. Mathilde, est-ce que tu as besoin d'aide? Reçu. Magnum et Marty, vous suivez deux. Vous obéissez à deux. Pas maintenant. Pour l'instant, c'est bon. Vous obéissez à deux, Magnum, t'as entendu? Magnum, je sais pas si t'as entendu, on obéit à deux maintenant. On fait stand-by. Pardon? On obéit à deux maintenant. On arrête. Ok. Ok, couvrez l'entrée, sortez la tête du mur, on garde un œil. À tous, gardez l'entrée. C'est suivi, alors. Fais gaffe. Je vais voir l'état de Gamefuse. Tenez position. Entrée. Marty, il est où? C'est bon. Et un, on reprend notre progression de départ, du moins on prend notre formation de départ. On attend. Une G2. Une G2 pour une G1, pardon. Ok, stand-by, on garde la couverture. Mathilde, écoute. Avec unité, tu pars, enfin, Humungus, vous partez sur India 1 pour voir si au niveau des soins c'est bon. Reçu, Magnum, direction 40, maison en ruine. Les ordres sont reçus. Je bouge. En avant, Marty, pareil. Parti. Ouais. Ce sont les alliés qui sont sur les midis, hein, donc on tient pas dessus, on va juste faire un assistana. Ah bah super, ils sont allés quand j'arrive. Foudre, allez, on se met à l'abri pour 1. Tenez. Ok, c'est pris, on a été parti par un bunker à côté de la. Serval, Kenny à terre. J'ai besoin de vous, merci.
Ah bon. Ok, ils sont ok, Max. Est-ce qu'on ouais. rejoint? Ouais, merci, merci pour votre soutien, les gars. Okay. Il y a juste de... Et comment, c'est quoi la situation sur le bunker sur l'avant? T'es comment au niveau salut, Max? Est-ce que je te rejoins 7 de 500. Ok, ça va. Standby, standby. Standby. Eh ben, je suis d'une utilité totale. Ouais, India s'est pris. Attendez. Ça va se relever sous très peu de temps. Je vous donne le top parce qu'il faut que, notre équipe soit totalement opérationnelle. Merci, Doc. Kenny, c'est quoi la situation? Humungus, répète ce que t'as dit tout à l'heure, j'ai pas entendu. Là, il y a une partie de. Affirmatif, recollez-nous. On décroche, on rejoint deux. Ok. Pietro. Oui. Pietro et Alter, vous rentrez dans la maison en ruine là. Je pense que l'entrée elle est. Elle doit être de ce côté là, j'imagine. Essayez de trouver une entrée. Non, devant. Bah, je sais pas, vous passez par là. Et à droite, ouais, devant, derrière. La maison là, mais la cabane. On se retrouve contre le mur. Il est par terre, il est là où je suis dans le. Si vous voulez, je peux faire une brèche avec une munition. Ok, on va le signaler à Max si on en a besoin, mais je pense pas. Tiens, d'aller faire pipi. Ouais. Max, okay. Tu nous laisses 30 secondes. Prends un buisson quand même. Vas-y, Max. Fais ça à côté de moi en plus. Oh la crâne. J'ai vu un lapin. J'ai vu un lapin, est-ce qu'elle est derrière? Non, tu peux pas aller me répondre. Ok, Aux. Yep. Qu'est-ce toi? Yes. Tu veux monter dessus? C'est où? Non, ça... Quelqu'un sait monter sur Aux? Je crois qu'on peut pas. Non. Je peux monter Aux, après je vais pas t'assurer. On n'a pas l'énacement. Qui l'apprécie, mais... Il y a pas le time la grenade, c'est Aux. Allez, envoie la grenade. On n'en parle plus. À terre pour 1. Grenade envoyée, c'est bon. Oula! T'as pas pu pisser dans un buisson plus loin que moi là? T'aurais pas pu l'envoyer devant le cadenas. Par contre, ramasse son papier, Mathilde. Alerté. Ah, excusez-moi. Ouais. Je vais le mettre dans la capuche de Magnum. Il s'est levé. Voilà. J'ai des grenades aussi, hein, si y'a besoin. Il bouge, droite-gauche, gauche-droite. Sergent, je le prends avec des grenades, Max. Il y a des alliés. Hein. Je peux jeter, hein, je le vois. On peut jeter des grenades dans les midis. Ouais, vas-y, allez, je vais. J'ai des alliés là-bas. Allez, sur zone. Allez, sur zone. N'oublie pas que t'es sapeur avec l'ulti. Non, Serval, là tu fais quoi là? T'as l'ulti sapeur là? Ah, si, Magnum, ça sert à rien. Pète la. Pète le truc. Ok, vas-y. Elle pense. Faites la... Ennemi en 220, derrière nous. Autre côté muré. C'est allié ça, c'était allié. Surtout des spikes de carrière. À l'extérieur ou à l'intérieur? Ah oui. Intérieur. Oula. Comment ça va au niveau des soins? Tout le monde est ok? Ouais, ok. Ça, c'est pas grave. Ça va pas durer, mais oui. Pour mon groupe, regroupons. Vert. On va passer. Vert, pour Morty. La maison ruine là. Ok. Donc 1, vous prenez la tête, 2, on vous suit, on recolle les alliés et on fait progression ensemble. Magnum, tu repars sur la maison effondrée quand on a rejoint Alpha 1-1. On y va, parti. Mathilde en route. Ninja 2, on vous recolle avec Ninja 2. C'est traité le mec de l'autre côté. Michel, quand on va ouvrir la porte, c'est feu à volonté sur tout ce que vous voyez. Personne ne sait. Non, il y a les alliés dessus. Les alliés sont dans l'entrée. India 2, parlez. India 2, on a essayé de traiter quelqu'un de l'autre côté de la porte, on sait pas s'il est mort, attention. Ok, vous confirmez que vous êtes bien du bon côté de la porte, hein, c'est-à-dire côté nord, parlez. On est derrière. Je préfère le redire, j'ai des charges explosives et j'ai plus de ça. Ouais, Max, hein, Max. La porte est ouverte, la porte est ouverte. Ah, ok, ça marche. Négatif. Et la porte est ouverte là, donc c'est bon. Okay, tu veux des jumelles, Magnum? J'en ai un.
Y'a un mec dans l'assise qui vient de spawn là. Ouais, c'est ça que je vois aussi. Je sais pas si c'est un délire. Azimut 40, dans le champ. Je suis pas, je peux rien faire. Ah, Tim, t'as quoi comme munitions? Unité. Oui. Vous allez checker votre chemin qui est derrière. Reçu. La longère. Magnum. Azimut, la maison Azimut 60, tu la vois? Ah, fini. J'ai fini. Allez, on y va. Marty, t'es prêt à partir? Prêt. Derrière Magnum, t'es avant. Toujours décalé droite quand on est en super découvert comme ça. Mathilde, t'es dans les 6? Je suis à côté. Reçu. On a tiré sur un allié, chef. Ah bah écoute. Ça va, pas il chaud, je suis un peu d'accord avec toi. Ouais. Okay, de toute façon, c'est moi qui en endosse la responsabilité, c'est vous qui l'avez. Allez, Magnum, tu vas jusqu'à l'arrêt de la maison. Droite, droite, on rentre dans la maison et on la fouille. Bien pris. Sauf Mathilde. Il a pas de balle, Mathilde reste dehors, on ça va aussi là. Marche lente, hein. Marche lente, marche lente. Ok. C'est bien pris. Prêt. Je suis avec toi. Ok. Il y a de la lumière, on dirait derrière. Non, c'est de la lumière à travers la fenêtre. Ok, Mingus, dès que c'est safe, regroupez-nous. Vide. RAS. Il y a une porte, je crois. Ah non, négatif, ils sont jetés derrière, par là. Cadavre de type. Juste là. Bah, du coup, non, parce que c'est un pilote, donc il avait pas d'armes. Allez, on rejoint nos collègues. Après. Bah, je baisse mon arme parce que bah. Je... Stamina. Juste là, même pas là. Tu feras du cannibalisme quand tu seras. Ah bah il va falloir hein. Ouais. Le ravitaillement là où on va? Ah là, je sais pas. Bon, sur donc, point ferme, il y a du ravitaillement. Magnum, tu vas à droite maintenant. Tu rejoins là. Allez, hop là. Ouais, bah, ça y est. Foudre. Allez. 1, on suit 2. Ah, c'est nous qui faisons l'assaut. Allez, on fait l'assaut. C'est où, Ox? Normal. Parfait, on va le toucher. Et Mingus, oui, pour 1, vous serez à gauche. 2, on est à droite. Ok, okay. À gauche. C'est bon, vous devez. Ah, bah, India 2 est arrivé, à gauche. C'est dingue. Parti. Derrière Magnum. Ouais, je suis prêt. Attention, Michel, j'avance. Oh, on attend. On attend. C'est parti. Sergent. Ouais, j'écoute. La baraque qui est là, c'est pas la peine, on a déjà des hommes dedans, Kenny, ok. T'as besoin d'aide? Ok, les gars, on progresse ensemble. Vous progresserez à limite plutôt droite de route. Nous, on va rester gauche de route. Donc vous progressez de ce côté. Vous faites un break droite et vous nettoyez tout côté droite et nous on fait on nettoie côté gauche. C'est pris? C'est pris. Ok. Donc on passe devant. Hein. On vous laisse nous traverser sinon ça va être le bordel. Allez-y. Ok. On fait un tube avant donc celui de devant qui a plus de munitions il retourne en arrière. C'est pris? Prêt. Attention. Allez. Une note. Putain, mais un, tu sais deux, prêt. Je me sais pas là. Deux, t'es premier, on est d'accord? Deux prêt, ouais. Un prêt. Attention, il y a un mec okay, à fenêtre allez, en haut à droite. Deux en haut à droite à la fenêtre. Ensemble, en avant alors. Ensemble. Un en avant. Ensemble, vers le bâtiment devant. Allez go. Allez. En avance rapide, allez hop. Déroule. Faire balle va pas. Et Mingus, continuez vers la maison initiale, on fait le tour avec deux. C'est bon, il vient de se relever. Prie Mingus. Mingus, ça va? Rapide. Mingus? Non, je suis là moi. Ouais, Max. Ça va être là?
Et Mungus, vous continuez sur la maison comme prévu, on fait le tour avec deux. Mungus, on est droite du château. Ok, pris. Il y a un contour derrière le Vladé. Ça va les virer. Il y a quelqu'un derrière la porte, hein, il est refermé. Ouais, ouais, je sais. Il y a un homme au milieu. C'est quoi ta mission ? C'est pas la même arme. Comme ça. Grenade ! Ok, va au niveau de la porte. Ok, qui est trois le tour, vous pouvez rentrer dans la maison là à gauche. Même dans mon sol à droite. Ouais, j'ai Vous avez un homme à terre, hein, côté droite. Oui. Aussi, je m'en occupe, Mathilde, tu avances jusqu'à la fontaine. Monsieur. Bon, sur là, tu te mets ici. T'as des munitions là-dedans. Merde. Au coin. En appui. J'ai une porte, là, derrière moi. Si, je vais te mettre dans le bunker. Ok, on attend Michel, là, il est en train de se ravitailler en munitions. Attention, il y a une tête. Ok, je vais dans le bunker. Gapfuse. Oui. Tu rentres en premier. Non, dans le château. Marty, tu suis. Aux, derrière, vas-y, fonce, rentre. RS à droite, c'est bon, à gauche. Allez, je lâche. RS. Ok, prêt. Du bon position. Passons dans le bunker, Mungus. On a du ravitaillement pour Mathilde. Prêt, je vous. Prêt. Ok, escalier gauche. Rentre. Dehors de la maison, s'il te plaît. Ok, deuxième. Ah, je dois ressortir, ok. Je suis ressorti. Ok, ça marche. Mais toi, on tourne la fontaine, on va protéger l'extérieur. Ok. Avec Pietro et Altor, on va nettoyer les baraques de gauche. Reçu. Assez reçu. Max, pour l'instant, on est immobilisé avec Max dans ma terre. Il y a du rapro infirmier dans la maison. Reçu, Marty. On a un mec en quatre roues. Sergent ? Le voilà debout. On l'a bas ? Ouais. Alors, un je reçu, McNab sur la fontaine. Mathilde sur la fontaine. J'ai plus de munitions. Alors, écoute-toi. Allez, écoute. On est rentré dans la maison avec le drapeau nazi pour aller se réappro. Autorisé. On est dedans, on est à l'étage, on est sécurisé. Dans la maison, on réappro. Mugus, le bunker, on le check pas là devant ? Négatif, pas pour l'instant, réappro. Réappro. D'abord le médic. Je fais mes courses. Non, ne jette pas par cette fenêtre. Elle est de l'autre côté, ma partie, elle réappro. Ouais, je sais, je n'ai pas besoin pour l'instant. Tu peux encore servir à quelque chose dans ta vie. Ok, je te couvre. En fait, c'est une vision, je fais quelqu'un. Attends, tu décolles un peu sur la droite. Je sais pas. Michel, reviens. Chez on dirait que tu parles à ton chien là. Michel, tu reviens d'ici tout de suite. Allez, oublie pas. Allez, quoi là. Ouais. Il s'est passé quoi là. Il y a eu du sauta. Ouvre la porte. Attends. T'es prêt? Prêt. Go. Comment? Comment ça, il y a eu du quoi? Ok. Je l'avais vu, mais j'étais pas sûr. Médic, j'ai tombé là-bas. Médic, il y a un peu. Allez, t'as fermé. Là, à gauche. À droite. Merci derrière. La tournade. Mathilde pour Gamefuse. Ah, pardon. Si personne prend le cas, je le prends. Document, tu as annoncé les documents?
Ouais, c'est chaud. Ok. On peut pas les prendre. Alors, je l'ai jeté à l'entrée, hein, son cas. Oh, le mec là, j'ai l'air. Tu veux un coup de main? Ah, mais c'est un quart de l'heure. Oh, bordel, on va te défoncer. Je vais mettre un. Michel, reviens. En cours. Ok, on est parti. Ah putain, attention. C'est pas en cours. Et je m'occupe de la jambe. Le chapter, c'est bon. Ah, si. Oh, t'es magnifique. Je vais pour les programmes. Parti, ça va? India 2, India 1. Ça va, t'es là. La navigation, elle est claire ou pas? On vient de nettoyer derrière le bunker. Aucun pouf. Ouais, ça marche. Le ravitaillement, il est à l'étage ou aurait-il toujours une RCP? Des munitions allemandes ou américaines? Ok, d'accord. Ok, Donc, India 2, il y a des ravitaillements au rez-de-chaussée. Je te ramène. On peut tous se ravitailler. On y va tous. Aucun problème. Et où Michel? Michel, t'entends? Dans les toilettes, il y a un mec qui est mort avec un car. Michel? Franck? Michel, t'es où? Je suis dans le bunker. Petit souci. Oula, j'ai besoin d'un médic. Ok, je suis là, je suis là. Mets-le contre le mur. Attends, t'as besoin de toi? Attends, je m'occupe de toi. Il y a 3 packs traités à l'intérieur. Il y a des documents confidentiels. Non, Franck? Ça marche. Tu repars? Toujours pas de problème. Ouais, ouais. J'ai besoin de quelqu'un avec moi sur lui. Il y a un mec là-bas à la voiture qui a poil en dessous. Ouais, on l'a vu, mais on n'arrive pas à communiquer avec. Je pense que c'est un civil traumatisé. Est-ce que vous avez trouvé un général? Attention, il y a un mec à l'entrée. Ok, il a un rythme cardiaque. Sonner! Parfait. Foudre. Ok. Franck? Ouais. Alors, il y a un officier qui a été neutralisé à l'intérieur dans le château. Il y a un officier qui a été neutralisé dans le bunker ici. Ouais, et puis il y a cette espèce de civil bizarre. Ça va le cul. Franck, à mon avis, qui m'appelle? C'est Michel. Je commence à CP. J'ai un général à l'intérieur. Ah, t'as un général à l'intérieur. Ok, pour tous, vous allez vous ravitailler en munitions là. Plus trop par général. Il est où le général? Il est dedans, il est là. Ça dit, il est mort. Mais c'est bon pour les transfus, t'as encore besoin de moi ou c'est ok? Non, ça devrait aller, t'inquiète. Merci à toi. Ouais, ok. Ok, t'as repris le coup, Marty. Pourquoi tu fais ça? J'ai merdé, j'ai retrouvé dans le bouquin comme un bourrin. En plus, c'est exactement la même maison qu'à Tunis, donc bon. Ouais, il y a du ravitaillement au rez-de-chaussée, vous allez vous ravitailler. Ok, tu vas te relever sous peu. Qui la caisse de ravitaillement? On croit en toi. Moi aussi. Prenez des munitions pour vous. Ok, je vais vous ramener. Il n'y a plus personne à l'entrée. Il n'y a plus qu'à attendre. Ah, elle est à la caisse? Non, bah non. Merci, médic. Faites gaffe, il y a des Allemands dans le bunker. Kenny, je vais m'en aller. Ils sont morts. Je le sais. Bah ouais, mais gars. Oui. Recoller. Ok. Je garde l'entrée. Ok. Je savais, je comprends pas. Des munitions. Ouais. Non mais tu vois, quoi? J'ai failli défoncer la gueule. Je t'ai vu sortir des trucs. Le problème c'est qu'il y a rien pour moi. C'est pas sympa. Bah je sais bien. Non. Ah si, c'est bon. Pour moi, quoi? Ok.
Hein, t'essaies de regrouper ton groupe à l'entrée de la base. À l'entrée du château. Normalement, toi, c'est bon. Mathilde, allez, coach. Mathilde, bonsoir à tous. Salut serveur. Ah, reçu Mathilde, tu restes. Mac dame dehors. Magnum et Marty, vous allez à l'entrée de la guérite là-bas. Vous restez à l'intérieur du périmètre. C'est pris. Vous allez à la guérite. J'ai vu un civil à droite. Civil reçu. Donc, quand on est ravitaillé, on ressort, on va sur la gauche. C'est bon, Magnum, on va à l'entrée. Après. Ok. On se retrouve dehors là pour le plan de la suite. Il y a un sur la gauche quand on vous est ravitaillé. Allez, écoute. Ok. Ouais. La porte elle s'ouvre, la porte elle s'ouvre. Ça va, t'as pu trouver une arme? Bah j'ai trouvé une. Oh, tu me couvres? Je te couvre. T'es bon? Ouais, c'est Mungus qui va être content. Et un. État de santé pour Marty et Magnum. Marty vert. Magnum vert, j'ai trouvé un car à lunettes. Oh super. C'est bon, c'est celui que je t'avais laissé là-bas. Ah non, il est toujours là-bas. Au niveau non, si, c'est celui-là, Mathilde. Au niveau mune, Marty et Magnum, vous êtes OP. Ok pour Marty. Je check. Okay. Moi je suis passé sur arme allemande, mais elle est un peu à chier. Ah, fille. J'ai toujours une douleur moyenne, Mathilde. Hein. De quoi? J'ai toujours une douleur moyenne. Ah. C'est suivi. Ça va être passé normalement. Medic, si tu veux des munitions, j'en ai un. C'est quoi ton état de. Magnum, c'est quoi ton état de lune? J'en ai 11 de 5. Et pour vous, j'en ai 5. Bah, du coup, moi je vais reprendre mon ancienne arme si tu veux bien, Magnum. T'as dû la laisser devant, je suppose. Négatif. T'avais des armes avec des munitions, Mathilde. Elle est à l'étage. Allez, vas-y, Mathilde, t'as 2 minutes pour aller changer d'arme dans la maison drapeau nazi. Ah, elle est partie, elle est partie. Mon souvenir, j'ai ramené un casque allemand dans mon sac et une grenade allemande. Ah, d'argent ? Yes. Ouais, fallait ramener le drapeau. Bon, on est en train, on est fini le ravitaillement, sinon bah la suite c'est tout simple, on va prendre, si tu ouvres ta carte, on prend un azimut nord vers la ferme là, le corps de ferme au nord. Et on sera de retour sur la N14, donc on nettoie les éventuelles résistances sur le corps de ferme et ensuite on poursuit le long de la route comme tout à l'heure. Et on arrivera au niveau du moulin. Parce que là on aura quelque chose à faire au niveau de la station radar. Enfin, semblant elle sera défendue. C'est pris ? C'est pris. Bon, okay. Madame, on va aller direction 20, azimut entre 20 et 40. Quel barbelé ? Non, je dis, il est s'entouré de barbelés, par contre, on a que l'entrée principale qui est accessible apparemment. Ouais, traité. Il y a les mines. Donc il va falloir passer au milieu. Ouais, je pense qu'on n'aura pas le choix. On n'aura pas trop le choix, ouais. Ok. Bah attendez okay, qu'on vous colle, là je vérifie que mes hommes sont complets. C'est sorti, pas sorti, pas sorti, pas sorti. Maintenant, non, c'était vérifié. Il y a un rendez-vous sur. Ouais, attends une seconde, Mathilde arrive. Ouais, c'est pour ça que j'ai un rendez-vous sur la maison en ruine. La ferme on y va. Ok, ouais. D'accord. La maison en ruine derrière. Ouais, d'accord. Il y a deux, c'est comme tout à l'heure, vous prenez la tête, avec India, on vous suit, d'accord, même derrière. Je vais faire un scoop. C'est bien fait. Ok, un opérationnel. Ouais, ça marche. En avance, sergent. Ah, sur la maison en ruine. Salut mon pote. Ouais. Faites attention, il y avait des packs. Allez, donc le dernier de deux est passé, on va rejoindre le corps de ferme qui est au nord-nord-est. Et le dernier, ça doit être Pierre. Et on suit comme tout à l'heure Pietro, on suit India 2 comme tout à l'heure avec 50 mètres de séparation. Besoin de soins sur maison en ruine. T'inquiète pas. Donc Pietro, c'est dès que t'as les 50 mètres, tu peux engager. Hein. J'ai besoin de soins pour moi. Elle arrive. Ah, je suis là. Oui, tu. T'as pu me le dire quand on était à l'intérieur, du coup. Quand j'avais encore du réapprovisionnement, tout t'étais... ça. T'étais plus au plus sur future direction. C'est bien là, il y a deux, ils ont maison, fait 30 mètres. Le plus on vous entend, hein, lieutenant. Bien pris. Médic, munitions, ça va ou t'en veux encore? Nickel, c'est bon. Ok, c'est bon. Allez, go.
prenez la tête. Donc, ouais. Allez, un en avant. À découvert. À découvert, progression, ouais, colonne décalée droite. Ouais, vas-y, Max. Ils doivent arrêter, hein. Ils le disent, ils arrêtent. Hein. Parti, vas-y. Et on accélère le pas. On peut baisser les armes, profitez-en pour souffler un peu. Allez, on baisse les armes. Je me replace en derrière magasin. Affi. On se redresse, on baisse les armes. Normalement, ça craint pas du boudin. Pas sur l'épaule. Sergent, je suis gros, attendez-moi. Allez, moi manger de macédoine à la poutine. Ah ouais. Stop. Qu'est-ce qu'il y a, Magnum? Non, non, c'est... Ok, c'est une plante. Magnum, essayez de temps en temps de nettoyer vos lunettes. Avec la lumière, on voit rien. On s'arrête, hein. La ferme sur les midi. On continue en trace sur les buissons qui sont à nos midi là. Ok. Ensuite on fera assaut par l'est le corps de ferme. Ok. Bah, un, on y va. Allez, vamos. Gauche ou droite? Gauche, c'est bien. Comme ça au moins on verra si ça bouge. Ok, il y a un découvert. Tu vas direct hein, en ligne droite. Bien pris. J'ai un mur en bois, je m'écoute. Voilà, on va s'arrêter là, on va faire une pause une seconde et après on va directement sur le premier corps de ferme. Bien pris. Et j'ai un visu, je check. Elle est allumée. Dès que Max est là, il nous dit top, on y va. Allez, on y va en ligne. C'est ça, assaut en ligne. Deux, on se met sur la droite de 1. Allez, deux, on déroule sur la droite. Allez, en avant. Un en avant. Arme épaulée. Armée épaulée, comme en avant. C'est ça. C'est ravitaillement là. Marche lente. Marche lente. Mungus, t'es trop en avant par rapport à nous. Ouais, t'as raison, j'allais m'arrêter. Magnum, Marty, vous faites la grange. J'aime prie. Ouais, ouais. Mathilde et Mungus, on s'arrête au pied de la grange. Ok, j'ai une caisse en visu sur la droite, pardon. Tiens, sur la gauche, sur la gauche. C'est juste du rapro. C'est juste du rapro. Ok, regarde de l'autre fenêtre si t'as rien. Faut ouvrir la porte. On est derrière la porte, hein. Ouvrez la porte. Ok. Bah, on peut pas ouvrir la porte. Oh, salut Marty. On peut pas ouvrir la porte. Hello. Ça va? Ça va, si tu veux, il y a de la proue là-dedans. Ah. Mais t'as déjà ce qu'il faut, je crois. Je pensais que t'allais me servir un Pimac là, au drive. Ah bah, qu'est-ce que tu veux? Ah, je veux bien des patates. Une fois que c'est sécurisé, vous nous recollez. Allez, un, on retourne sur la route. D'argent. Ok, on va pouvoir continuer dès que vous avez fini la sécurisation. On va continuer le long de la 14. Cette fois-ci, nous on sera. C'était pour la deuxième droite de route. Qui en manquait. Ah oui, par route. C'est pour l'autre équipe, hein. Avec un peu de chance, pour l'autre équipe. Ok, reçu. Mais je crois qu'ils sont, aussi full stuff sur la maison avec le drapeau nazi. India 1, on se met au niveau de la ferme, on pourra peut-être vous appuyer lorsque vous pourrez mener un assaut côté gauche. Via le moulin et vers l'entrée. C'est fait, donc vous partez en tête. On part en tête,
On reste côté droite de vous avec Mungus. On va jusqu'à la ferme ici. J'ai un camion en face de moi. C'est celui qu'on a traité. C'est celui qu'on a traité. Vous engagez le moulin. C'est pris. Ok. Bien pris. On passe gauche. Un à gauche de route. Bien pris. Dépasser un en avant, droit devant, direct midi, gauche direction de moulin. Tu dépasses pas le groupe India 1. On reste derrière. Côté ferme, on va continuer droite de route jusqu'à la ferme qui est positionnée ici en face de la station radar. Ça nous fera une position d'appui pour appuyer la progression d'India 2 parce qu'India 2 va continuer la progression gauche de route. Il prendra le moulin et peut-être l'entrée. On verra. Notre objectif en tout cas, c'est d'arriver à la ferme. Ok, Pietro, c'est bon, préparez-vous à faire mouvement en colonne derrière. J'ai un visé sur Bunker. Donc on reste droite de route en 4 jusqu'à la ferme. Relativement armé. Visu. Allez, en avant. Sur deux bunkers. Visu. Deux, peut-être trois. On est parti, hein, India. On bouge ? Non, attends. Je vois une tête dépasser. Je vois pas les autres. Ok, je vois deux personnes sur le bunker. Ok. J'ai pas visé sur le deuxième. Un go, midi. Bien pris. On aura deux personnels sur les 10 heures bunker max. Trop loin. C'est pris bunker droite ou gauche de route? Gauche de route. Au niveau du moulin, c'est où? C'est complètement sur la gauche, c'est bien, c'est au moins à 300 mètres du moulin. Ah d'accord, ouais, c'est très loin alors. C'est très loin. Donc ça concerne pas forcément India 1. Serva, il attend d'être TP. Il a prévenu qu'il fallait juste qu'il marche à Zimut 30. Et je crois que le Zeus a eu un problème de co tout à l'heure. Oh. Ah, ok, donc il y a 3 bunkers sur la gauche. Ah, on ralentit un peu. Rien, on ralentit, on s'arrête même. Plein ventre. Mungus, t'as des jumelles? Négatif. T'en veux? Non, c'est gentil, merci. Ok, reprise, hein. Oh, reprise 1. Ma gueule, je vais être gentil. Oh là là, je suis enfermé. Mais non. Si tu t'en sers pas. Bon, hein, on se met en parallèle. Ah bah, tu le savais pas. Faut pas les rageux, t'es trop loin. Ok, à l'issue de la barrière Magnum, on prendra dans les midis le moulin. Bien pris. Fais attention. Ouais, barbelé, attention parce que peut-être. Attends, je regarde les mines. Il n'y avait pas. Ah ouais, non, ok. On va pas passer à côté des barbelés parce que je crois qu'on va commencer à rentrer. Non, il est un peu plus loin. India 2 pour India 1, on se prépare à faire assaut sur le moulin et je rentre. Ok, bon. On va faire assaut, il y a une petite brèche là, j'ai l'impression, là, sur la gauche. Là. Oui. Ça m'a l'air pas mal là. Donc on va regrouper cette rangée de buissons là. Et on fera assaut par là. Ok, on passe directement sur les barbelés ou tu veux qu'on aille au bout des barbelés? Au bout des barbelés là. Au bout des barbelés, Magnum, tu embrailles sur 9h, direction midi le moulin. Bien pris. Quand tu veux. Ah, en avant. T'as un passage? Ah super. Ok, j'ai un abri sur la gauche. Ok, on va dans l'abri, on reste sur l'abri. Ok. Allez.
Mathilde, c'est bon. Tu suis Mathilde, c'est bon. Là, je suis là. Ok, aussi. Là, je sens que ça va puer. J'ai grave, visé sur un bunker. Vu que j'ai encore 8 âges m'allonge pour la stamina, avant de vous courir partout. 73. Derrière les décombres, ah on ouais, voit deux sacs de sable. Ouais. Recharger éventuellement, regardez, c'est maintenant qu'il faut regarder ces chargeurs s'il faut. Ok. J'ai du monde. Ok, on tient position. À la ZV de bunker annoncé. Ouais, une patrouille, gauche-droite. Patrouille derrière le réservoir d'eau. Quelqu'un est sur ma gauche, ma fille. Ma fille, portée. Allez, vous pouvez tirer si vous avez. Allez, si. Allez, unité, progressez en vos cours. Rendez-vous sur le moulin avec silo d'eau. Sur le moulin. Sur le moulin, sur la grange avec le silo. Et sécuriser le moulin au passage. On fouille le moulin. Oui, Magnum est parti dans le moulin. Mathilde au pied du moulin. Oh, rien là. Clear, on peut pas monter. Ok, clear, on ressort. Descendez direction réservoir d'eau. Et on se colle à la maison du réservoir d'eau. Ligne de feu. Premier qui se blesse en descendant du moulin, je le fais. En avant, Mathilde. Halt. Permission de traiter. Vas-y. Ça lag fort là. Oh putain, ça lag fort, ouais. Ouais, ça lag fort. Voilà. Allô ? Oui. Oula ! Mathilde à l'abri. Ok, c'est bon. Fais gaffe ! Il y en avait un et j'ai failli tirer sur toi, Magnum. Donc même azimut, il fait des allers-retours. Ok, on se colle à la maison. On est trop exposé. Je le vois. Vas-y, Mathilde, tu passes par derrière et tu te colles à la maison pour que tu sois bien. Ça lag trop. Okay, ça se casse comme ça avec le Zeus. Ok, allez, Magnum sur la maison maintenant. Là. Traité. Et on s'appuie sur la maison, sur le coin. Magnum sur le coin de la maison. Marty dans la maison. T'es sur ligne de feu, Mathilde, je passe. La grange est vide. Ok, ok. La grange est ok. Ok, ok pour la grange. C'est pris. Magnum, prépare-toi à avancer. Excuse-moi, Martin. À avancer sur. Mugus pour Max. Oui, Max. On traverse pas la route, il y a India 1 qui est en pleine couverture, là, ils ont un bon axe et il y a un bunker sur la route. On reste sur la position du réservoir d'eau ou est-ce qu'on peut progresser? Pour l'instant, on n'engage pas. Vous engagez. Si vous avez des cibles à cause, vous engagez. On a un véhicule dans le qui est en azimut sud. Mathilde, Magnum, tu vois le petit cabanon en bois? Okay. Allez, tu vas avec Marc. Mathilde, j'ai envie d'aller à la tente là-bas, mais on attend. À quelle tente?
la tente azimut 60. Stand-by. Dans le bunker, à gauche de route au fond, il y a quelqu'un, ça bouge. Ok. McDonald's dans les 6, parti dans les 6. Il y a un rocher là où il y a Gamefuse, on monte dessus. Dès qu'on arrive. Et Mugus, dès qu'on est arrivé sur le bunker, on peut Gamefuse fait comme M6 Lar bouge de là. Attention Mathilde, prends pas trop de risques. Recolle. Allez, un, on recolle. Recolle nous. On recolle, un, on recolle deux. Avant. Marc, il suit. Ok, un dans tes six. Un, si vous avez des grenades, vous les balancez par-dessus le bunker. Par-dessus le bunker. Médic urgent là. Celle-là. Ok, Gamefuse recule encore. Pierre il fuit mais devant. Lâche, lâche. Balancez des grenades si vous avez une offensive derrière le cœur. Tu te balles dans la tête, mon petit ours. Mathilde. Ah, tire-moi à Mathilde, t'as besoin d'aide vers là. Tu peux... Il est pas trop loin. Il est à côté de toi, derrière le mur. Okay, c'est de lui. Okay, allez, on c'est reste. Grave, ou pas c'est du dimpalm. Si ou quoi. C'est une belle tête et il aura besoin de sang rapidement. Okay. Mathilde, tu as besoin d'aide ou pas? Il va falloir prendre le relais sur les RTP de Hawks. Ok. Magnum et Marty vont rester sur position. Oui. Je reprends le RCP sur Hawks. C'est pris. You Max. Merci. Marty, McDom, maintenant que la lumière s'est arrêtée, avancez jusqu'au bunker. Pris. Oh, pardon. Je suis avec toi, Marty. Ok. Ok, je suis en viseur, fais attention. Le pack c'était à gauche, entrée maison. Et quelqu'un est dans la maison. Ouais, si t'as une grenade. Je vais te la grenade. Vas-y. C'est fini. Oh, il va se faire.
Bien joué. Beau lancer. Il est pas mort, on dirait. Je l'ai eu. Marty, t'es tout seul. Ça arrive. Je l'ai traité dans la maison. Tu amènes. Encore, tu longes le mur, tu amènes. Yes, il est au sol, ok. Tu restes sur position, Marty. Oui. Ouais. Ok. Vous restez en position. Sur, là où vous êtes, on avance, on dépasse pas le bunker, cherchez pas le combat. Allez, Max. Cherchez juste la couverture pour l'instant. Il m'a dit là, si la transition est finie, qu'il a encore besoin de sang. Tu te lèveras pas, Marty, t'as. Non, tu te lèveras. Si tu te lèves vite fait, arrêt au milieu. Tonnerre. Oudre. Voilà, on va rentrer par l'entrée. On recolle sur l'entrée là, sur la route. Tonnerre. Oudre. Okay. Alors, on se met côté droit. Hawk, Marty, si vous avez des grenades à main, c'est maintenant par-dessus le bunker. Négatif, j'en ai plus. Besoin de soutien médical à gauche ? Pas en train de mais... Ah, c'est pour ça qu'il répond pas. Bah, c'est pour ça aussi que je répondais pas tout à l'heure. Oui, Franck. C'est une bonne raison de pas répondre. Ouais, Mungus. Tu me dis ? C'est bon, il y a... Non, vous avez perdu votre sergent, je disais. Hey, go. Faites gaffe aux mines, hein, Pietro Walter. Ouais. Sur les midis, il y a du monde. Oui. On ne pas pour Marty, hein. On reste. On a Franck sur la droite, donc c'est eux qui traitent. Ouais. C'est bon, je sais pas trop comment les mines, on peut pas les détecter. Ouais. Mais il doit y avoir des bateaux. Là, c'est simple. Hein. Ouais, sans viseur, c'est vrai que. On reste sur la route. Ouais. Et je pense que c'est ça. On vous laisse passer devant. Ouais. Ah, donc c'est vous qui rentrez, on vous suit. Ah, la carabine est main. Ouais. Ouais. Théoriquement, ils devraient pas mettre des mines sur les tranchées parce qu'on ne sait pas comment ils peuvent s'en servir sinon. Mais c'est ça, voilà. Donc j'ai une belle MP40 là. Là, j'ai un quart. Mais devant, il y a une MP40. Ouais, mais la MP40 avec ça, tu fais du nettoyage. Ok, Magnum de retour. Si c'est le cas, Magnum de retour. Parce que j'ai plus ma MG. Ok. Allez, il y a deux, allez-y. Allez. Contact. Hawks. Derrière le véhicule. Allez, pour un, je m'en marche lente après deux. Je passe devant Hawks. Ok, fais gaffe. Vas-y, Hawks, c'est pris. Ok, je suis là. Allez, stop feu, on laisse passer India 2. Pas. Attendez, Marty, je te rappelle que t'es derrière Magnum. Vas-y Magnum, hein. Ils sont passés, c'est bien. C'est cul dans les 6, couverture sur les 6. On marche, messieurs, parce qu'il y a des mines. Je vais le faire, tu l'as. Je vais prendre la distance. Ah, il va me faire mal. Clair. Un, vous restez dehors. Ouais, mais. Je n'ai pas entendu. Magnum. Sur Humungus, s'il te plaît. Yes, j'arrive. Voilà, pour un, on reste là. Le danger va venir d'ici. Je peux prendre les grenades sur les ennemis ? Tu peux. Fais ton marché. Qui est sur le véhicule ? Ouais. Vous rentrez pas dans les véhicules parce que c'est dangereux. Jeu. Mathilde, allez où ? Sur les cadavres, j'ai plus de marché. Okay. Quand t'auras fini ton super marché, Marty tira dans le bunker pour vérifier que tout le monde est bien mort dans le bunker. Hawks, ok, c'est bon, voilà. Je peux y aller. Où ça ? Quel bunker ? Ouais, c'est passé. Mungus ? Oui. Dans le bunker, il y a une caisse de ravitaillement pour ceux qui ont normes allemand. Terrasse. Attention, nord-est du contact. Et ok, terrasse. Happy, en haut de la colline. Je peux piéger le véhicule. Je veux juste savoir si t'es ok au niveau mune. Pardon. Je check. Allez, 2, 1. Prêt. 8, 9, AFI. Ok, c'est bon. Préparez-vous à suivre 1, préparez-vous à suivre 2. Ah. Toujours marche lente, on n'a pas besoin de se presser. Allez, go. Sergent, vous êtes rentré dans le bâtiment ou pas ? J'ai visu sur un mec à la jumelle. Il y avait rien ? Négatif. Caisse de mule. Qu'est-ce que tu as dit, Magnum ? Tire devant. Ah, Chris à terre. Ouais, est-ce que tu peux l'embarquer ou tu veux que je te le tire ?
Emugus, à moi avec un. Négatif, un blessé pour l'instant. Je peux rester ici ou pas? Merde. Non, négatif, il faut que tu tires. Pour la MG, là. Okay. Mais... Magnum, tu n'avances pas plus, essaye de traiter en hauteur dans les C'est des chargeurs de 50, Michel? Ouais, c'était ça. Ouais, bah y en a dans le camion en fait. C'est bon, tu l'as. Ah, quoi, t'as deux chargeurs ici de MP40? Oui, ça fit, c'est bon. Chargeur là. Ah putain, le ouais. Mélanger. De toute façon, on va pas se mélanger, hein, les gars, parce que. Emugus, t'es vivant? Attends. Je pensais que moi, Emugus, dès que prêt. Ok, Emugus, mets-le. Ils étaient où les munitions? Dans le camion, le camion qui est là. Et à droite. Attention, messieurs, c'est un piège, cette espèce de tranchée là. J'envoie un flair sur position pour les stragglers. Ok, on est prêt dans 3 minutes, Max. Ok, Marty a du pouls, il va se réveiller. 2 minutes. Allez, maniez-vous les médics. 3, c'est trop. On peut faire mieux. Est-ce qu'on peut prendre le relais? Ok, réveillé. Marty, réveillé. Marty, bouge pas, je te mets une morphine. T'as besoin d'aide sur Magnum? Marty, opérationnel. Merci. Ok, Marty, prépare-toi. Ouais, Franck. Ouais. Marty, rejoins deux. Ah ok. Oui. Ok, il me reste 3 chargeurs, 4. Oh, mais j'en ai plein. Je t'en fais. Oh, non, c'est bon. Mais non, t'as pas la même que. Allô. C'est bon là? Ok. Ouais. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va progresser en parallèle. Magnum présent. 2 à droite, 1 à gauche. 1 à gauche. 1 à gauche, 2 à droite. Il y a un mec dans un bunker à droite avec. Reçu. Ok, on progresse sous couvert de fumigène et sous couvert de grenades explosives. Donc on balance les fumigènes et les grenades explosives. Oui, maintenant. Enfin, la marche adoptée. Avant de partir. Et c'est armé volé et en course rapide. Ok, voilà. Préparez-vous. 1, Magnum passe en tête. Stand-by. Bien pris. On pour va les deux équipes ou 1 un, uniquement les pour 1. Bien pris. De quoi, Emugus? Non, non, rien, je parlais à ok, ça marche. Donc on progresse tous en parallèle, tous ensemble, hein, les deux groupes. Vitesse rapide, armée polée. Et l'objectif, okay, c'est le dôme radar en face avec les sacs de sable. On se donne rendez-vous là-bas. Et attention, sur la droite, apparemment, il y a du monde. Sur la droite et gauche, il y a un champ de mine. Hein. Ouais, c'est ça, et ils sont clôturés de toute façon. India 1, India 2, India 2, pardon. Alors, on est au bout des tranchées, prêt à faire assaut sur le dôme radar. Et préparez-vous à faire assaut. Bien pris. Bah, il y a l'objectif principal à neutraliser. Il a pas l'air trop défendu, Kimby. Ouais. Reconnais-nous quand même. Je sais pas comment il écrit, mais. Il va même pas. Avec lui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu veux pas être à gauche, non? Mais dis que c'est très compliqué sur moi. On est, on est à gauche. Pas mag. Un petit check-up, s'il vous plaît. Ah, bah là, je crois qu'on est tombé sur India 2. Ça va bien vous? Ah ouais, ok. Bon, attendez, laissez-moi passer, je voudrais prendre un visuel sur l'avant. Excusez-moi. Allez, on check, excusez-moi, pardon, les murs. Excusez-moi, j'avais réservé ma place, pardon. encore une position. Privilégié. Là, il y a droite, c'est un tour d'art. Dans la tranchée, on est mal. Hein. Fille, droite, ouais. On essaie de sécher de droite, là. C'est quoi ça? On se prend une grenade, on est tous morts, les gars. Bah, on c'est pour ça. Allez, l'équipe de France est derrière, vous n'avez pas besoin d'être là. India 2, vous allez par là, ok? Allez, c'est ciao, Michel. Non, mais India 2, on va faire un assaut là. Prends tes caleçons sales et c'est hors de ma vue. Non, mais il faut qu'on vous appuie si vous avez. Donc, nous, on peut faire un tir suppression vers le bunker principal et vous attaquez à droite. Non, c'est une très mauvaise idée parce que dans tous les cas, on est obligé de passer par là. Pour faites une suppression sur la droite et nous, on progresse sur le bunker là-bas. Ouais, ok, d'accord. Vous m'attraquez, nous on fait suppresse vers la droite, ça va. Vous faites depuis le début en fait. Ah oui, on peut pas traverser là, effectivement.
Ok, ça marche. Okay. Donc, India 2 prêt. India 1 prêt. Ouais. Je sais, bah, on a plus de mitrailleuse côté India en fait. Non, non, on a perdu. Négatif. Ok, bah, India, le tir de suppression c'est sur le bunker que j'indique. Suivi. Nous avons perdu. On va laisser, India 2 avancer de 30 mètres et on entamera le tir de suppression. On n'est pas du tout en position pour India 1. Non, non, on n'est pas du tout en position, il faut que India 2 avance. Ouais, casque. À India 2, vous avancez. India 2, prêt. Allez, go. Allez, go, 1. Salut, hors de on a max à terre. Un, on avance. On se les grenades. On avance. Go 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 go. Un, on avance. Blessé là, il me faudrait un tout pile. Ah attendez, qui est là? J'ai mon leader à terre là, pas besoin d'un tout pile. Ah ok, ouais, faut le tirer en arrière. Attendez, je le traîne, hop. Je sais même pas si quelqu'un a une équipe de partie Ox, devant. Allez, Ox. Oh là là. Bah attends, c'est ton leader, c'est on va, ouais, on va remonter. Ok, je vais beaucoup de max. Pierre et Ox, essayez de pousser jusqu'au bunker devant. Continue en rampant. Okay. Faudrait mettre une grenade dans le bunker devant. Là. Ouais, mais je crois pas qu'on en ait encore. On a un petit quelqu'un. Grenade lancée. Ouais, mais attends. Attention côté gauche. Je vois qu'il y a une mitrailleuse qui est plus tapée. Je pense qu'on va y arriver là. Sur la gauche, je vais le faire. Il y a pas de monde devant. Allez, il y a une fuse au bûcher. Tu fonces devant et tu tapes. C'est bon. Donc il y a Pietro, Hector, Michel, je sais pas si Kelly est où. Bon Max, j'ai envie de te le dire.
Thank you.
Vous êtes rentré dans le bunker? Éliminé. On a encore un mec à terre là. Ok, arrête. Sors, c'est la ok. Pas trop. Excusez-moi, est-ce qu'on a des gens décédés là parce que je m'ennuie? Bah si tu veux, Baptiste! Je vais terminer mes bisous. T'entends, j'ai blessé devant? Baptiste! Mais t'as un pouls trop. Baptiste! Quoi? Affirmatif! Allô? Au secours! Toi aussi Marty, tu t'es fait défoncer. Un fil. On retourne dans le gros bunker, on va essayer de retrouver Max. Ok. Suivi. Je prends la relève. Oh, y'a un bruit bizarre. Ouais, GameFuse, il faut aller sur GameFuse. Ouais. Comment il va Pietro, il est pas relevé encore? Je sais pas, j'ai pas le temps de finir avec lui. Voilà, GameFuse. Ouais, pas tout. GameFuse, putain. Michel, t'es où là? Je suis là. Il y a Pietro à terre là, hein, c'est normal. Ouais, on s'en occupe, il est en train d'être relevé. J'ai perdu Max. Max, il est en soin là, côté est, avec Kelly. Kelly, tu veux d'aide? Kelly est à l'ouest. Non, il est pas safe, a priori, il y a encore un pack dedans. Ah, il y a un pack. Il est mort, Pietro? Qui dit ça, mais... Non, il est pas mort, Pietro. Non, je vous le demande, s'il faut regarder dessus. Max, ouais. Il est où? À condition. Est-ce que quelqu'un est a des charges? Il va se relever sous peu de temps. La dynamite. Normalement, on est un sapeur avec nous, là, Magnum. Pour info, Franck, à l'intérieur, il y avait un mec qui en PR, c'était un commandant. Allez, Max. D'accord. Attention, le balance, un problème. Bon, même pas, voilà, votre. Allez, suivant, Pietro. Ok. On a Magnum ici? Ouais. Yes, bien joué, ça, c'était... Il faut les poser des charges sur les canons. Où ça? Dans les 6 là, ou du gros bunker d'où on vient. Mingus? Ouais. J'y vais. Vas-y, ouais. Fais attention, je mine, hein. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Sergent, est-ce que vous avez... T'étais où en attendant? Pas du tout. Sur le devant. Non, je disais, ouais, heureusement que t'es là. Qu'est-ce que tu fous avec ton casque? C'est une prise de guerre. Ouais. Il est fait le bunker au moins? Marty et Mungus? Ouais, il est clair. Ça, c'est clair, ça. C'est... On l'a clear avec Gum. Est-ce que ça a été clair là-bas? Négatif, je crois qu'il y a McDum qui est parti poser les explosifs. Non, négatif. Tu veux qu'on y aille? Ouais, vas-y avec un. Mais regroupe un avant et tu y vas. Ok. Et toi, le sapeur? Mathilde, viens. Ouais. Pour le moment rien, mais ça sera le radar. Sergent, vous avez sécurisé le bunker là, c'est bon? On va y aller. Sécurisé. Ok, ça marche. Je termine, celui qui vient d'indiquer là. Ouais, on va y aller. Par contre, je sais pas comment est le cheminement là. Il fallait pas me faire confiance. Allez, où c'est bon pour toi, merci. Je t'ai fait merci. On est là. Marty Magnum, vous êtes prêts? Prêt. Cœur qui a défoncé dans le bunker. Marty Magnum, c'est pas mal ça. Pardon, Marty Magnum. Ouais. Oui, non, c'est Marty McFly, tu vois. Marty McFly. Ouais, c'est pas grave. Par contre, on va y aller en. Ah bah, je sais pas comment c'est qu'on va y aller. Parce qu'il y a des... Je suis pas sûr qu'il y a un chemin. Faire le tour. Tu passes par là. Ok, reçu. Par là. D'accord. On a toujours un cerveau sur le. Ok. Par l'extérieur des barbelés, on est d'accord. Ouais, l'extérieur. Si ça passe, la pierre, il a trouvé un message. Oh, je pense. Il s'est toujours fait que c'est des amis. Parti, Mathilde. Je suis où le radar là? J'ai une mine en visu. J'en vois une, deux. Ouais. On va y aller mollo, on va laisser passer Magnum. Ouais. C'est des filaires apparemment les mines. Ok, alors attendez. Vas-y. On marche, on marche. Hein. Reculez. Oh là là, attention. Là on explose là. Reculez. Il y a un avec moi. Personne devant moi. Si, il y a un chien devant moi. Attention, parce qu'on risque peut-être de sauter avec. On est plus que 4, on manque à tort. Manque à tort et ça va le secouer. Allez, avec moi, on va regarder côté ouest. Suivi. Allez, à pied. Michel. Marche lente.
Vas-y, la filaire, on va réussir à la contourner, je pense. C'est vrai. Mais vas-y. Ouais. Chef. Ouais. On envoie le sapeur directement dans le champ de mine. Pour voir ce que ça fait un sapeur quelque chose. Pourquoi il y a des phares? C'est les collègues là-bas à gauche là, qui s'amusent. Qui s'amusent. C'est bon? Chef, j'ai peur du phare. Ouais. Allez. Mais par contre, attends-nous parce qu'on doit tous se marcher les uns à côté des autres. Voilà. Juste derrière, vas-y. Ouais, juste derrière moi, juste derrière. Ouais, ouais. Alors. Mathilde. Allez Mathilde, je te l'amène. Il y a écrit champ de mine, ça vous dit, on y va? Est-ce que quelqu'un sait où il y a un radar? C'est le sapeur. Tu t'en occupes? Ma fille. Ah, mes yeux. Ah bah voilà, c'est là, j'ai commencé pour y aller. Tiens Mathilde, vas-y. Martin, tu prends la suite. J'ai plus de soins et j'ai besoin de soins. Ok, ah, je vais m'en occuper. Il y a un peu de pansement. Attention, je vais longer le bord côté gauche, si ça pète. Ok. Je peux prendre des pansements, Mathilde, dans ton sac? Bien sûr, serre-toi dans mon sac, s'il y en a dans mon sac. En fait, j'ai confondu le radar avec le projecteur. Magnum, il est pas là? Si, il est à terre, Magnum. Il a fait quoi? On a essayé de déminer, ça n'a pas fonctionné. Bah, il a déminé avec son corps, quoi. Il a des charges, Magnum? Ouais. Allez, je vais en prendre une. C'est bon, il a du poulet à se lever. Attention, Marty, hein, t'as une autre mine sur ta. Marty, t'es soigné? 2 heures. Marty, bouge pas. Ah, fille, ouais, je l'ai vu, je la contourne. Ne bouge pas, je te fais juste. Ouais, je bouge pas, c'est pris. Ok, c'est bon, je peux y aller. Et éventuellement, une morphine peut-être, je vois. Le problème, c'est que. Attends, je prends ton pouls. Je dis ça. Oh, ça se négocie, mais tu risques d'entendre ton cœur quand même. Ok, bon, laisse tomber, alors, je vais comme ça. Merci. T'es OP, voilà, McDonald's. Ouais, bah c'est marrant, parce que là, l'urgence, c'est de capturer. Donc, sur ta carte, il y a un itinéraire. Attention, il y a une mine, hein. Partie, elle est juste à la mine. Ah, à ma droite. Voilà, ouais. Ouais, c'est bon, je l'ai vu. C'est pour ça que je contrôle les arbustes. Oui, je fais péter la tour. Enlève ta garde sur ton bras, c'est pas où est Chandine. Reçu. Ouais, on va partir. Attends, McDonald's. Je n'ai encore une sur mes midis, là, il faut aller sur le panneau. Vous voyez? Attends, non, non. Magnum et Marc, vous avez suivi la vitesse là. Vous me suivez contre la végétation? Bien collé à la végétation? On passe par le panneau. Vas-y, je te laisse passer. Attention à ta droite, t'as une mine à ta droite. Ouais, droite et une à ma gauche, je suis au milieu des deux. Vas-y. Mathilde, tu vois le chemin qu'on prend? Voilà. Ça c'est fait. Bon bah c'est bien, il n'y a plus de mine à droite. Voilà, il n'y a plus de mine à gauche non plus parce qu'elles ont explosé toutes les deux. Allez, ça part. J'adore traverser des champs de mine, ça me fait du boulot. Il est grave ou pas, Marty? Je sais pas, je te l'amène pour l'instant. Je lâche, je regarde. Oh non, un peu de blessure. Ouais, franchement, ils ont des bébés blessures, c'est mignon, hein. Ouais. Hop, pense-moi un petit RCP et puis ça part, hein. Et pourquoi vous avez tous vos parachutes dans le dos? Quand on respawn, on a ça. Ah. Ok, pour Marty, je commence les RCP. J'ai pris. Ça va le faire, on est les flammes de la crème, mon lieutenant. Hop. Ok, Magnum a repris du pouls. Normalement, après un RCP, il devrait se relever, Marty. C'est bon, merci. C'est pris. Je suis là. Mais c'est bien, comme ça on avance lentement mais sûrement, quoi. Je veux dire, on n'a pas de mine sur la route, du coup. Cool. Au capot, Marty. J'ai bien fait de pas avancer. Hein. Putain, il traverse le champ de mine et le chimpanzé, ça avance. Il faut. Et coller bien à gauche. Je vous ai demandé, Max. Hein. Oula. Coller bien à gauche, les gars. Non, mais revenez. Revenez, on est pas là. Non, mais c'est bon, c'est déminé. Hein. C'est déminé. Ah, ça y est, c'est déminé maintenant. J'ai fait péter, moi, l'antenne. Les gars, il y a une mine sur la gauche. Bien à gauche, on est passé à gauche, c'est là à gauche. Je fais quoi? J'essaie d'aller devant. Attends, on va attendre que Marty se re... Effectivement, ouais, tu peux peut-être passer là. Ah si, ça a fait... Ok. Ça a fait...
Par contre, c'est ultra utile d'avoir un outil de sapeur qu'on peut pas utiliser. Ouais, mais parce que je pense que les mines sont, posées, c'est pour ça que ça fonctionne pas. Humungus de ouais, Max. Ouais, Max. Bah, arrêtez le massacre et revenez, on va faire le tour. On les a tous fait péter, chef. Ouais, non, mais bon, on sait jamais quoi. De toute façon, j'en vois encore. Et il y en a une juste devant toi là. C'est pour ça que j'ose pas faire demi-tour, chef. Mais si, fais demi-tour. Et Mugus, tu reviens ici. Alors, il y a Marty, chef, je peux pas le laisser tomber. Mais Magnum, où tu vas? Attention, ça passe pas les mines, les gars. Vas-y, 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 ça passe, t'es passé toi. Bon, hop, hop, partir à ça là. Bon, ça fait mal quand même. Ah oh, oui, t'es en douleur intense. Bon, bah ben là, je peux te mettre une morphine. Ah, bah y avait un joli calendrier Pirelli, chef. Magnum ? Y'a Liberty qui est en train de me parler de tes tendances suicidaires, hein. Ça va bien se passer, tu sais. Allez, on retourne dans les 6 et attention, y'a une mine qui est juste ici, hein. Faut serrer à droite, hein, droite. Vas-y, Mathilde, commence à. Je me casse, à back. On se donne rendez-vous sur la lampe. Tu feras attention au Magnum à la mine qui est là, hein. Les co-véhicules sur route. Chef, j'ai peur. C'est sécurisé ce bunker. Hein. Qu'est-ce qu'on va à la cantine, chef? Il est déjà passé. Ça fait boum là-bas. Blindé, sud-est. Ouais. Ah! Mathilde, faudra terminer le mission après. J'ai pas envie. Oh bon, je vais voir avec les. Ouais, tout à fait. Tu parles comment, mon chef? Tu veux qu'on se fasse sur la gueule? Allez, un. Sale chef, en avant. Oh non, je peux pas passer. Je suis les rangs là. Ça passe pas. J'ai une morphine à mettre dans l'avant-bras d'une certaine façon. Ah non, ça passe pas. Ça passe pas pour vous, vous êtes trop gros, ouais. Ah non, on est trop gros. Tu veux dire sale chef ou tu veux que je t'appelle comment? Eh bien, attendez. J'ai jamais dit ça. Vous faites trop passer par là. Ouais. Je peux pas te dire. Oh là là. Okay. Ah ouais. En face de la route. Allez, on y va. Bon, bon, écoute, ça m'a fait faire des sujets, quoi. Poser une charge dans le bunker, chef. Ouais, si, ouais. Hey, allez, je pose une charge. Il est où mon allez, ingénieur là? Mets une charge, vas-y. Il y a peut-être un passage là. Allez. Go, tous dans le bunker. Attendez, je suis parti. Timber, vas-y. Vas-y, fais péter. Mais non, pousse-toi. Ah, mais arrêtez de pousser. Allez, vas-y, c'est bon. Putain, comment on a fait une brèche? Magnum à terre. Oh mais Magnum, ça va aussi là, je sais que t'aimes bien mes petites olives secrètes, mais y'a des limites. Putain, faut arrêter avec les sorties de secours qui fonctionnent pas là. Et où Magnum? Quand je dis, je passe au dessus. Il a été vaporisé face au pulse. Ah oui, il est éjecté là-bas. Il est plein est. Il a réussi à passer au moins. Oula. Ça y est, je suis passé. Ah, c'est Ox qui est là. Soignez-le. Je m'en occupe. Oh tiens, bon alors il est très mal, je vais lui mettre des garrots. Médic de ce côté, médic. Oh merde. Grenade. Pardon. Pour avoir un appareil ouais. Non, je l'ai mis sur mon téléphone. Excuse-moi, c'est de ma faute. Non. Je fais tout de suite à la RCP, Martin. Et putain, j'ai encore endommagé... Non mais t'as tué Ox. Il
Je soigne Ox. Une bus qui arrive à côté de moi pour m'aider, il dit attention aux grenades, il a jeté une grenade. Vous appuyez sur H. Après, au bout de 3h14 de mission, je peux comprendre. Hein. Ouais. RCP fait, qu'est-ce qu'il a accès? Ok, il manque qui là? Putain, la terre à terre. On a plus, on est que deux debout. Ah, ouais, je suis là. Ox était piégé, il avait une grenade sur lui. Voilà, pas super mal. Ouais, mais c'est quoi ça? Il s'est passé quoi là? On a tous été TP et en fait en même temps il y a une grenade de pété. Qui fait un misclic sur une grenade. Bon, c'est pas grave. Allez, on est tout seul hein. Ox. Là, c'est pas grave. Il nous manque Ox et on est OP. Il est mort hein. Bah, je l'ai vu voler avec la. Non, mais. Incroyable. Bon. Putain. J'aimerais bien qu'ils reviennent les deux là. Bah dépouillez-le hein, du coup. Si vous êtes dans une mission ou quoi. On fait la cour. Je suis en train de faire un RCP sur un cadavre non? Oui. Ah, oui tout à fait. D'accord, ok. De toute façon on va bientôt finir cette mission non? Allez en colonne tous sur unité. Bah il nous manque Ox là non? Ouais mais Pietro il prend la tête. Y'a plus de Pietro. Où Pietro? Pierre. Non, c'est qui? C'était qui en tête, Mugus? Chez moi, c'était Magnum. Magnum, ok, j'y étais pas, donc il est pas là. Ox non plus, putain, nos deux hommes de tête, ils sont pas là. Ils ont plus de tête. Les hommes de tête, ils ont plus de tête. Allez, Mugus, tu prends la tête. Azimut. Hop. Azimut, plein sud-est. Ok, on y va, 150. Allez, vas-y, Marty, en route. Allez, écoute. C'est la guerre. On fait un chevron sur Mingus. Ok go. Et toi milieu Mathieu. Ninja 2 on vient à peine de quitter le camp. Hein. Ils sont où une Jana 2 du coup? On a les bâtiments visuels. Ils sont sur les bâtiments en face. En face, d'accord. Franck, on s'arrêtera sur les murets devant le bâtiment. Sur les murs, carrément. Je sais pas. Je sais pas grand. Je crois qu'il y a un pack à la fenêtre de la maison. En haut. Confirmé. Ça retourne. J'ai plus de radio Max. Et j'ai plus de radio Max. J'ai plus de radio Max. Hein, c'est passé. Tu vois le flair? Mungus ouais. A plus de radio. Tu pars avec Pierre sur le flair. J'ai plus de radio Max. Ok, ça marche. C'est pris pour Mathilde? Jouer okay. Avec elle, c'est ça? Bah, Pierre, tu vas sur le flair, il y a les alliés. Pif. Ouais, avec Pierre, c'est tout. Il faut juste aller là-bas, ils ont besoin de système militaire. Aftrack en 120 derrière. Oui. On investit, on sécurise la baraque qui est ici et puis. Aftrack après. Ok, quand tu veux, allez, go. Vas-y. Ok, je garde la gauche, je garde la droite. J'ai avec toi marqué étage.
Je recharge. Je passe devant. Ouais, vas-y, vas-y alors. Prends à droite, prends à gauche. Après, il y a... Ok. Ouais, dans la maison, y'a du monde. Putain. Ça donne quoi? Marty à terre. Merde. Non, il y a le bout. Ouais, arrête de simuler, Marty. Allié en haut. Ah, j'ai plus de bandage, Marty, désolé. J'ai plus de bandage, Marty. Ok, je vais prendre sur un ennemi. Attention, c'est allié, hein. Tonnerre. Poudre. Ça pour passer à gauche, pour progresser. Pied 3 avant jusqu'au tas là. Ça suffit, je joue mes mêmes points. Ok, on est bon derrière. Ok, bah on va avancer droite. India, vous êtes paré? India 2, pardon. On est paré. Ok, bah on avance chacun de notre côté du pont. C'est pas. Je ne passerai pas côté gauche. Attends, en colonne derrière. Besoin de soins de Marty, s'il vous plaît. Besoin de faire les courses sur les Allemands. Ouais, bah moi aussi, j'ai pris sur les Allemands pour me soigner. Allez, on avance. En avant, Pietro. Ok, je suis là. Je mets un coup de bistouri. Comme ça qu'on libère la France. Ouais, la France, elle casse des merdes, hein. Là, j'ai vu qu'il disait. Allez, nous, on prend à droite, il y a deux, vous prenez à gauche. C'est pris. Attends. T'as perdu du sang de ouf là? Ouais. Oh, j'ai vu un mec sauter au-dessus de la maison, merci. Oh, je suis bugué, j'en ai marre. Pierre-Yves, micro, s'il te plaît. Pierre-Yves, c'est Pierre Du. Non, c'est Pierre-Yves. Bah, Pierre-Yves, il est pas connecté. Il est sur le TS, Pierre-Yves. Ah, c'est la fin. On en trouvera bientôt chez nous. Ah. On a 6 heures comme ça, Pietro. Allez, on tape la pote. Je répète, foudre. Tonnerre. Ah, c'est trop bien, je me suis tapé 30 000 démarches, j'arrive. Mission accomplie. T'inquiète pas, Hawk, c'est moi qui aurais dû prévenir que je passais la porte. Ah, je suis désolé, vraiment, j'ai vraiment dépassé, j'étais là. C'est ma faute, j'aurais dû te prévenir. Je t'ai découpé la MP40 là. Ouais, j'ai vu. Je t'ai vu me tirer dessus, mais ça c'était tout à fait normal. C'est moi qui aurais dû m'annoncer. La vraie sergent, c'était pas bon. On est tous là, on va pouvoir attaquer le débrief rapide parce qu'il est déjà minuit 35. Rapide, hein. Ouais. On va prendre dans l'ordre. Zoska, tu nous entends? Oui. Bon, on commence le débrief rapide. Diabol. Bah, pour moi, très très bonne soirée, super ambiance. Comme prévu, en fait, le paradrop s'est pas du tout passé comme prévu, mais c'est normal. En tout cas, c'était génial. Ensuite, je suis resté perdu pendant 15 minutes dans la pampa sans avoir un visuel sur les baraques en feu, etc.
Et sinon, pour la suite, ben, c'est comme d'habitude dans tes missions, c'est l'enfer. C'est l'enfer pour commander quoi que ce soit et pour comprendre ce qui se passe. Mais au final, merci à mon équipe qui a suivi un tant soit peu, malgré le fait que j'étais un peu perdu à certains moments. Et merci à India 2. Voilà, bah, je vais passer la parole à leader India 2 en premier, donc c'est Max. Pareil pour moi, bonne soirée, une équipe qui a bien suivi. Beaucoup de com, notamment quand on était tous ensemble, tous réunis. Enfin, c'est normal, mais bon, il y en avait beaucoup quand même. Et quand on essaie de se comprendre, quand ça tire de partout, bah forcément, c'est vite le bordel. Donc, un peu du mal à assimiler certains ordres ou certaines communications de Franck. Mais sinon, bon voilà, on a bien déroulé, on a traité les objectifs et mission accomplie. Voilà, merci. Merci Max, on va passer à Gamfuse maintenant, on va prendre dans l'ordre du TS. Ça marche, moi j'ai passé une bonne soirée aussi. J'ai passé une bonne soirée, merci à tous. Ok, merci Gamefuse, et on passe à Kenny. Ouais, une excellente soirée. Franck était aussi parfait, j'ai rien à dire. Tout le monde a suivi, en tout cas du moins chez India 1, puisque de ce que j'ai vu India 1, quoi. Franchement, c'était magnifique. Bon, Serval était un peu perdu ce soir, on lui en veut pas, ça lui arrive de temps en temps. Et voilà, bah écoute, j'ai rien d'autre à ajouter, merci à tout le monde. Merci Kenny. Et le suivant du coup c'est Marty. Ouais, très bien, très bonne soirée, c'était super, j'ai bien aimé le parachutage et puis bah, toute la progression. Bon, c'était chaud comme d'habitude, mais c'était vraiment une bonne immersion. Voilà, bah, merci à la mission, merci aux Zeus et merci à toute l'équipe. Merci Marty, et du coup on peut passer directement à Michel qui a essayé toutes les armes de la carte. On t'écoute Michel. Alors, très bonne mission, même si j'ai changé 6 fois d'armes. Bah sinon j'ai pu tester, on va dire, quelques classes, j'ai testé MG, c'était sympa. Sinon pour la grenade à la fin aussi, je m'excuse un peu. Je sais pas si j'ai fait péter des gens, mais... Tu l'as pas lancé très loin en fait. Un peu proche. Ouais. Ah, sinon merci Zoska, c'était sympa. Merci Michel. Et maintenant Mathilde, Medic India 2. Bon, moi j'ai passé une très bonne soirée. J'ai trouvé que déjà la mission en elle-même était super cool. Donc merci Zoska. J'ai passé vraiment un très très bon moment. Ensuite, le fait qu'on ait pris un peu de temps au début pour bien expliquer les choses et qu'ensuite ça se soit bien déroulé, je trouve qu'en fait on a bien déroulé tout le long, bon, sauf à la fin, parce qu'à la fin c'était le bordel, et puis à 3h15 de mission, à la fin je peux comprendre que ce soit un peu plus fouille qu'au début. Mais vraiment je trouve que nos progressions étaient jolies, synchronisées, avec le moins de prise de risque possible. Dans l'ensemble, au début je me suis dit, bon bah ils sont trop bien organisés, je vais jamais soigner personne. Ça aurait été mal connaître Zoska. du coup, vraiment, genre, des bons moments de fight intense et des bons moments de stratégie pure. Donc, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette mission. Merci à tout le monde. Merci à mon escouade qui a été particulièrement à l'écoute. Et Magnum, merci d'être tombé un milliard de fois, quoi. C'était un pur plaisir de te soigner. Merci Mathilde. Et on va passer maintenant à Pietro, notre ouvreur India 1. Ouais, ouvreur qui était souvent à terre, hein, mais bon, ça c'est le rôle de l'ouvreur. C'est un bon ouvreur, exactement. En super soirée pour moi, comme l'a dit Kenny, pour moi c'était pareil, c'était l'une des meilleures soirées que j'ai fait des missions de Zoska. La mise en place, le saut en parachute et tout, c'était vraiment. On était vraiment dedans, arrivé au sol, on voyait les avions qui se faisaient taper par la DC allemande, c'était vraiment hyper immersif. Bonne soirée, j'ai eu un bon leader. Ça s'est bien passé, on a bien déroulé, il y a eu de l'action. Vraiment super mission pour moi. Merci Pietro. Et maintenant je pense que c'est Humugus qui va pouvoir nous raconter sa blague du soir. Merci Franck pour la parole. Merci Zofka, ouais, très très belle soirée, effectivement. Ouais, moi aussi je reconnais que c'est peut-être l'une pour moi aussi des meilleures. Merci donc à ton investissement, au temps que tu as passé. Merci à mon leader qui était...
qui était Flute Max, pardon. Merci à toi aussi, Franck. Moi, une très bonne équipe hein, qui était super réactif. Magnum en ouvreur, Marty juste derrière, Mathilde, excellente médic. Ça fait plaisir quand ça roule. Merci encore une fois pour le plaisir. Et je me suis fait défoncer par un Allemand qui était au chiottes. Ça, ça m'a un peu cassé les oreilles. Comme mais d'habitude. Bon, il était dans mon dos. Et c'est vrai que la fin, 3h30 de mission, c'est un petit peu long. Donc, ce qui fait que ça se sentait à la fin un peu de cafouille et on a fait n'importe quoi. Désolé pour la grenade qui a fait voltiger tout le monde aussi, pour ma part. Et merci à tous. Merci Mungus. Mais t'es pas tout seul. Moi, j'ai voulu balancer une grenade au niveau du radar. En fait, elle a rebondi sur moi après avoir touché les barbelés. Mais heureusement, on n'a pas été trop blessé. Eh ben, on va passer la parole à Hawks maintenant. Alors, pour moi, très très bonne soirée aussi. Vraiment une équipe très agréable, très réactive. C'était très sympa. Merci au commandement du coup de Max, Humingus aussi et Franck, on a pu avoir l'occasion de voir. Très bonne opération. Merci beaucoup, Oscar. Et merci à tout le monde. Quoi. Merci, Hawks. Et maintenant, Magnum Force. Et ben pour moi, c'est première mission avec vous. Hein, donc, bien content comment ça s'est passé. La mission, elle était ultra cool. J'ai bien aimé le lead de Mungus. Tête de colonne, pas pris de balle. À la fin, comme tout le monde, c'était un peu long, donc j'étais un peu fatigué. J'ai commencé à partir en couille. Je me suis dit, mon kit de désamorçage marche pas, mais j'ai des jambes, pourquoi pas les utiliser. J'avais un bon médic derrière, donc bon, ça marchait bien. Donc voilà, c'était ultra cool. Donc voilà, merci Zoska. Merci Magnum, et on passe à Monsieur Pierre, on t'écoute. Ouais, bah pareil que Magnum, hein, première avec vous. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de Seconde Guerre mondiale. Et j'ai vraiment vraiment apprécié, ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis au plaisir de rejouer avec vous. Merci Pierre. Donc Pierre-Yves est en train de bosser, du coup ben, on va laisser la parole à Conceptor, c'est-à-dire Zoska. Ah bah moi je me suis bien amusé. Je tiens tout d'abord à remercier Monsieur Humungus d'être tombé derrière les chiottes, ça m'a fait plaisir, au moins quand même. Chercher quelqu'un qui allait tomber dans mes pièges, mais je dis c'est pas possible, ils vont tout. Et Humungus m'a fait plaisir. Donc heureusement qu'il était là. Non, il y a eu des super moments et j'ai remarqué qu'il y en a certains, ils sont de plus en plus doués avec le garant parce qu'ils ont fait des shoots incroyables. Dans des petites fenêtres, des machins, des petits. Vous arrivez à repérer ultra rapidement quand même les tireurs qui vous allument. Bon, de nuit, c'est un peu plus facile, mais quand même, j'ai vu des shoots impressionnants. Voilà, j'espère que tout le monde s'est amusé. C'était l'objectif principal. Il est vrai qu'il y a eu un petit peu de soucis au niveau communication, surtout vers la fin, tout le monde l'a remarqué. Mais essayez toujours de faire un petit effort, de penser au commandement. Au niveau des communications pour éviter de lui vider le cerveau trop rapidement, n'est-ce pas? Donc voilà, sinon le reste, ça s'est bien passé, tout s'est bien enquillé, il n'y a pas eu trop de bugs, il n'y a pas eu de machin. Bon alors sur la fin, je n'ai pas compris pourquoi vous voulez traverser un champ de mines, il faudra m'expliquer, je n'ai pas compris. Mais voilà, le reste, j'espère que c'était super, que ça vous a plu, et puis à une prochaine. Bah ouais, merci. Alors, moi je peux parler là sur l'histoire du champ de mine, parce qu'effectivement, tu m'as envoyé des POC pour dire qu'on était dedans. En fait, j'étais incapable de savoir si j'étais dans un champ de mine ou en dehors du champ de mine. C'est la drogue. Ouais, mais non, mais les panneaux, je sais pas trop ce qui était dedans. Tu te vois pas sur la carte, tu sais pas trop où t'es, tu te dis que t'es à côté du truc. Le petit truc, c'est que je retrouve que vous avez pas assez utilisé les flares ouais, à c'est vous donner. C'est vrai. Ça vous aurait beaucoup plus aidé pour progresser, par exemple. D'éviter de tomber dans des certains pièges comme les barbelés ou les machins. Et c'est voilà, c'est pour ça que je t'ai envoyé oui, c'est vrai. Le message. Mais honnêtement, j'avais absolument pas l'intention de balancer un flair pour indiquer à tous les Allemands qu'on était en train de. Qu'on était là, quoi. Enfin, qu'ils nous voient facilement. Mais bon, c'est vrai qu'ils n'avaient pas besoin du flair pour nous voir. Toi, tu les vois qu'eux, ils te voient dans le. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bon, il y a eu c'était un beau combat. Le comportement général était super, les médics super, Mathilde déchaînée comme d'habitude, avec ses picous, ses machins, tu la vois, elle sort ses trucs, son matos, incroyable. Donc voilà, super, hein, y a pas de soucis de ce côté-là. Eh ben super. Par contre, je tiens à demander un truc. Pourquoi avec l'outil de sapeur, j'ai quasiment rien fait? Et ben, le sapeur, il devait faire sauter, c'est lui qui fait sauter les objectifs et Bacha.
Enfin voilà, après c'est le commandement, c'est comment t'as été utilisé. Hein. Non, non, c'est pas la classe. Il y avait un objet qui s'appelait outil de sapeur, mais j'ai rien pu faire avec en fait. Ça sert à l'outil de sapeur, ça sert à quoi ça déjà? Je crois que c'est... Ça a diminué. Je sais plus. Désamorcer normalement. Bah, j'ai voulu désamorcer, ouais. Mais j'ai pas pu. J'ai visé la mine. Non, mais... c'est le kit des désamorçages pour désamorcer, c'est pas ça. Mais en principe, le champ de mine, tout ça, il y avait des petits couloirs avec des petits. Oui, ça, on les voyait, il y avait un panneau qui était Ah, au début c'était clair plaisir. Parce que tu nous avais mis effectivement un beau canal on a pris cher. Mais après drôle. Aussi, mais c'est parce que t'étais dans le noir. Hein. À un moment donné, t'as balancé une flare, on voyait bien, les alentours. Mais on avait déjà plus trop de contact à ce moment-là. Mais bon, non, j'ai essayé de rapprocher la deuxième équipe parce que la première a commencé à attaquer le pont alors que l'autre était encore empêtré dans son champ de mine. Non, a essayé de passer un barbelé. Ouais, en fait, c'est ce que là, Max m'a dit à la radio qu'ils n'arrivaient pas à sortir par la sortie de secours du radar. Donc je ne sais pas s'il y a eu un problème à ce niveau-là. Et je tiens à féliciter aussi celui qui a trouvé les documents. Je ne sais pas qui c'est. C'est bien. Eldor. Attends, voilà. Et puis celui qui a trouvé le général aussi, qui se l'est fait là, dans le bunker. Là. Ah, bah, avec c'est Martin, Michel, hein. Je crois. Ouais, il y en a un qui s'est fait le général et son adjoint. Hein. Il a tout zigouillé. Avec la MG, j'ai été deux dans le bunker. J'ai défoncé tout. C'est un nouveau bunker, celui que vous avez vu où il y avait le général. Vous avez vu avec les portes et tout qui font du bruit et tout, c'était pas mal. Ouais, c'était pas mal. Mais d'une façon, alors je sais pas, j'avais pas eu le même sentiment la dernière fois, mais je sais pas, avec toi, Zoska, je suis pas sûr d'avoir fait énormément de missions de nuit. Plutôt deux jours, je sais plus. Non, on a fait quelques-unes, mais je me souviens plus si j'ai trouvé que c'était là. Super difficile, et en particulier sur l'attaque du château avec le général, parce qu'en fait, on communiquait avec India 1 ou India 2, etc., mais c'était très difficile de savoir où ils étaient physiquement. Parce que si t'as pas le visuel dessus, ben, pas forcément. Bah oui, mais ça fait partie du jeu. Après, mais ça fait partie du jeu. Mais j'ai apprécié. Mais c'est vrai que je me suis dit, mais mince, mais ils sont où? Ils sont à notre droite. Mais c'est vrai que la nuit, c'est vachement plus stressant. Hein. Je me rappelle quand vous avez arrivé à la toute première cabane où il y avait un Allemand qui était derrière. Il y en a qui tombaient nez à nez là. C'était limite la crise cardiaque. Non, hein. Non, mais je pense que ça fait partie du fort intérêt de la mission. Là, franchement, c'était une super ambiance de nuit, etc. On était tous stressés. Et puis, votre niveau de stress, en fait, moi, je me base par rapport à votre time kill. Hein. Plus vous faites de time kill, plus vous êtes stressé, en fait, à s'asseoir. Hein. Vous êtes nerveux sur la gâchette. Bisous, bisous. Salut. Ah, là, ça tire. Merci, Mugus. Merci à tous. Mis une balle dans le cul. Merci. C'est... Ah, non, j'ai noté tout ça, mon bichon. J'ai trop adoré. T'étais là dans ton truc et tout. Il se croyait à l'abri. Bah ouais, vous fouillez tout, mais vous fouillez pas les fioles. Ah, c'est un classique, et pourtant personne ne l'a fait. Il y a toujours quelqu'un dans les toilettes avec Zoska. Il y avait un fusil qui était collé contre le mur. Si on avait un qui était passé comme Marty, il l'aurait vu tout de suite. Hein. C'est moi qui t'ai buté dans les chiottes, en tout cas. Ah bah ouais, parce que toi, tu sortais d'une autre pièce à ce moment-là. C'est ça. Ah ouais, et mais Mugus, c'était trop tard pour lui. Et sinon, alors, pour revenir sur le paradrop du début, je pense qu'il y a eu encore le bug, parce que, alors, je sais pas si c'est un bug ou quelqu'un qui a fait une fausse manip, mais on avait dans notre avion quelqu'un qui était déjà à la porte. Oui. C'était moi. Bah, ça s'est bien passé quand je trouve que Et t'étais bloqué, c'est ça? Tu pouvais rien faire ou... Ouais, je pouvais rien faire. C'était magnifique, c'est le largage en parachute, hein. C'était logique. C'était bien, hein. Après, il y en a qui étaient plus ou moins perdus, ça faisait partie du truc. Après, voilà. Moi, j'étais carrément, ouais, j'étais plus perdu. Mais impressionnant, hein, je savais pas, je me suis repéré sur la carte en fonction de comment dirais-je. Je me dis, je dois être trop au nord, donc je me dirige au sud, et après, j'ai fini par reconnaître une route qui longeait un champ, ça correspondait à ce qui était décrit sur la carte. Je me suis dit, il faut que j'aille à l'est, et à l'est, j'ai fini par voir une des granges qui brûlait, de loin, et ensuite, j'ai vu les flares qui étaient lancés par, j'imagine, India 2. Voilà. Et j'étais le dernier collé. C'est un peu normal, j'étais le dernier à sauter. Mais ils ont fait des vrais shoots à longue distance avec une seule cartouche dans des petits endroits. J'ai dit putain, merde. Il y a des bunkers qui ont été nettoyés. Je pensais qu'on n'allait pas y arriver aussi rapidement. Ouais, parce que j'ai un très mauvais souvenir des bunkers de Remagen. C'était l'enfer. Ouais, en tout cas, c'était cool. Mais ouais, c'est ce que dit Pietro, les visuels là au début quand j'étais dans la pampa à la pleine lune avec la DCA qui tire sur les avions qui continuent à tourner autour, franchement nickel. Ah ouais, et puis il y a les projos un peu partout, tout ça c'était super ambiance. Tout à fait. On a bossé dessus avec, on a mis des sons et tout ça, intéressant, c'était bien. Mais c'est...
Ça serait vraiment intéressant de savoir si ce bug de personnel à la porte est dû à un slot particulier ou si c'est un truc aléatoire. Parce que si c'est dû à un slot particulier, on pourrait éviter de le prendre. Et... Parce que c'est dommage. Enfin, si on suit les trucs dans l'ordre, c'est vachement plus immersif. C'est pas un slot particulier, c'est un truc, il le met d'entrée. Il en met toujours un comme ça. C'est pas la première fois hein, que ça fait longtemps. Bah, une fois qu'on connaît le truc, comment il marche. C'est bon, après, maintenant que vous connaissez, je sais que la prochaine fois, ça ira mieux. Oui, mais le but, c'est pas que ce soit bon, le but, c'est que ce soit immersif. Le fait qu'il y ait déjà quelqu'un à la porte, c'est ce que je disais cet après-midi. C'est dommage, parce que ça veut dire qu'on fait pas les choses dans le bon ordre, etc. Il suffit d'ouvrir la porte, et puis moi, ce sera le premier à sauter. Et puis... Ouais, mais c'est pas... mais c'est dommage. Même si, effectivement, au final, il y a plein de trucs qui marchent pas dans l'arma, tu sais, oh là là. Ok. Eh ben, sur ce... Combien de morts? 5-6 morts, c'est ça? Bon, un peu plus, hein. plus que 5 ou 6, vous avez vu? Ouais, je sais pas si t'as réussi à communiquer avec Serval, parce qu'à un moment donné, il demandait un TP. Serval? Ouais. Non, j'ai pas eu, non. Parce qu'en fait, il était AFK, à un moment donné, on a dû le laisser au... Mais pourquoi il a pas... Il était au château, il était au château, c'est ça. Il suffisait qu'il regarde sa carte, il trouve le chemin. Non. Il faut, à un moment donné, il faut Oui, c'est ce que je lui ai dit, mais bon... Il a 200 mètres. Alors, encore, tu me dis, il a plusieurs kilomètres, le chemin est compliqué. Il suffit qu'il regardait sa carte, il disait, bah tiens, si je remonte le chemin jusque-là, j'arrive direct sur eux. Et bah, basta, quoi. Sauf qu'on était déjà plus là. De toute façon, même s'il l'aurait fait, on était déjà plus à la position de la ferme. Donc ensuite, il fallait qu'il prenne la route vers la droite. Ah, il est resté longtemps à AFK, alors. Parce que j'ai même pas vu, moi. J'ai même pas fait attention, j'étais en train de m'occuper d'autres choses. Bon, bah, messieurs, c'était bien agréable. En tout cas, merci encore. Et puis, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Ciao. Et qui c'est qui a détruit le char là, sur la route, là? Salut tout le monde. T'as le temps? Quel char? Ouais, je crois. Ouais, le char qui est venu sur la route à un moment donné, vous l'avez détruit au bas de la Attends, parce qu'il y a eu un gros char, une sorte de tigre ou je sais pas quoi. Ouais, il y a alors ça, c'est un Panzer 4 qui s'est fait. Vous avez eu de la chance. Il s'est déglingué par M4? Non, il s'est fait déglinguer par son propre canon anti-char qui était sur les arrières, qui a essayé de vous viser. Il est passé devant et boum. D'accord, parce que, effectivement. Il allait vous allumer. Si tu parles du pont, donc c'était l'espèce de Panzer 4 qui était au pont, déjà, on a vu un. Je sais jamais si c'est un SDKFZ 222, 232 ou je sais pas quoi là. Le Puma 250. Ou le Lynx. 205. Bon bref, il s'est fait déglinguer par un obus de l'arrière de C6, donc de l'Est. Voilà, c'est le Panzer 4. Alors le Panzer 4, il s'est peut-être fait déglinguer, mais il n'y a pas que le Panzer 4, il y a aussi le blindé de reconnaissance à roue. Voilà, mais ça c'est le tireur, il a été éliminé direct par l'équipe qui arrivait de l'autre côté. Ils l'ont éliminé vite fait celui-là. Ou alors je confonds, c'était pas un FDKFZ. En fait, ma question est simple. Sur le pont, il y avait un tank ou un tank plus un blindé léger? Un tank et un blindé léger. D'accord, bah les deux ont été déglingués. Et pas par nous. Non, l'un par l'IA sans faire exprès et puis l'autre par l'autre équipe. Bah, je suis pas sûr que l'autre équipe l'ait tapé. Hein. Mais si, ils ont tué le servant de mitrailleuse, quoi. À partir du moment où tu tues le mitrailleur, bah c'est fini. Mais ils n'étaient pas sur position. Ils étaient dans le champ, en train d'approcher la maison. Et ils l'ont vu le blindé sur la gauche, comme ça. Ils l'ont vu de loin et ils l'ont allumé. D'accord. Ça paraît bizarre parce qu'il devait être vachement loin, mais ok, d'accord.